Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Lutanos TV pour ce match de championnat national 2, Lutanos Saint-Maur contre Haguenau. Haguenau, mauvais souvenir, on va dire, pour la saison dernière. C'est la dernière équipe qui était venue ici et qui avait laissé un petit froid sur le stade Chiron. Bonjour Eric Mendes, vous êtes avec nous cet après-midi pour commenter ce match. Les situations sont quand même pas les mêmes que l'an dernier, au niveau du classement, au niveau des résultats et de la dynamique. Bonjour Antoine, bonjour à tous et à toutes. Bon, on commence tout de suite par donc, les mauvais souvenirs. Hein. Bon, comme ça c'est fait, on évacue et puis... Oui, effectivement, Haguenau était venu jeter un coup de froid, en même temps c'était au mois de février, juste avant l'arrêt du championnat, donc une défaite 1-0. Tout le monde s'en souvient, en tout cas les personnes qui étaient ici s'en souviennent. C'était un match, c'est un match... Maintenant on passe à autre chose, donc aujourd'hui voilà, on a deux forces en présence qui sont sur d'une dynamique positive, en tout cas dans ce championnat de National 2 et dans le groupe B. Quand on connaît Haguenau qui reste sur deux victoires donc de suite, et nous on reste sur un match nul à domicile face au Gazélec qui est une victoire à Épinal plus que probante. Donc là, ça promet déjà sur le papier d'avoir là, un bon match. On en avait un petit peu parlé hein, du côté du match contre le Gazélec. Il y a une victoire qui a été plus que probante la semaine dernière. Il y a surtout un début de saison qui est plus que probant, qui demande qu'à être confirmé. Mais pour l'instant, à chaque fois qu'on dit semaine après semaine, non, attention, il faut rester calme, il faut se calmer, ça commence à faire quand même une sérieuse dynamique positive qui s'instaure. Oui, mais on va rester sur les poncifs du footballeur. On prend les matchs comme ils viennent, les uns après les autres. Et donc là, on est forcément sur une très bonne dynamique avec 10 points quand même marqués en 4 journées. Ce n'est pas rien. En plus, moi je me suis retrouvé à stat, pour l'instant toujours ce zéro défaite qui est plutôt convaincant, surtout quand on voit que dans le reste du groupe, les autres équipes ont au moins une défaite. Et ça, quand on connaît le National 2, quand on connaît ce niveau-là, on sait l'importance en tout cas d'avoir peu de défaites. Maintenant, on ne veut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, comme le dit le président, on veut vraiment aller petit à petit face à des bons adversaires. Haguenau en est un, il faudra le prendre très au sérieux ce match-là et les prochains. Pour l'instant, on est assez. Pas très bonne place, mais pour l'instant le championnat est encore. Et comment on peut expliquer justement cette saison? Ça y est, le déclic, est-ce que c'est le changement d'entraîneur peut-être? Une structure qui a su rester pareil ou des ajustements? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes où les débuts étaient parfois un peu plus poussifs? On a beaucoup de chance. Non, on sent vraiment en tout cas que toute la patte et le travail, que ce soit vraiment de l'entraîneur Ronald Zizi, du staff, et aussi forcément du management d'Adéry Tomora qui connaît très bien le club, qui est très bien. Cibler les hommes et les profils dont ont besoin les Lusitanos. Et donc maintenant, on avance comme ça, avec une équipe en tout cas conquérante qui a déjà montré sur le terrain de très bonnes choses. Et maintenant, on avance et on veut vraiment offrir de belles choses à nos supporters. En tout cas, déjà rester sur une bonne dynamique au Stade Chiron. Une bonne dynamique au Stade Chiron. Dynamique qui a été un tout petit peu enrayée, on va dire, la semaine dernière. En milieu de semaine dernière, avec ce match nul concédé contre le Gazélec Ajaccio. Des petits défauts comme ça qu'il faut continuer à travailler, à gommer, parce que c'est perdre des points un peu bêtement. Perdre des points, je ne sais pas, parce que quand on voit vraiment la physionomie du match, on sent vraiment qu'il y a eu match contre le Gazélec, une très bonne équipe avec vraiment de nombreux anciens pros. On a réussi à les tenir en respect, on menait jusqu'à une poignée de secondes de la fin. Ils ont réussi à revenir. Bon, on ne va pas revenir sur les petites erreurs, mais voilà. En tout cas, sur le papier, c'était vraiment très intéressant. On a vu vraiment, en tout cas, c'était vraiment un gros test face à une belle équipe qui veut tout de suite rejouer la montée. Et on a vu de belles choses, en tout cas, ici, face au Gazélec. Et ça s'est confirmé tout de suite le week-end suivant, face à Épinal, avec une belle victoire de 0. Donc maintenant, il faut avancer et confirmer déjà aujourd'hui face à Gazélec. On le disait, que ce soit Beauvais, un promu qui est quand même intéressant, le Gazélec Ajaccio, donc relégué de national avec des joueurs très expérimentés, Épinal qui est aussi une équipe très expérimentée, qui a assez longtemps resté en national et était sur le haut de tableau, on va dire, le haut les équipes costauds de la saison dernière et encore cette saison. C'est quand même, alors on ne peut pas forcément parler de calendrier favorable, mais pour l'instant c'est intéressant ce que propose Saint-Maur. On ne va pas se cacher, c'est vrai que les deux derniers matchs ont été vraiment des tests. Important, surtout après déjà les premières victoires des premières journées. Les tests ont plutôt réussi, on peut le dire. On peut prendre 4 points avec face à Ajaccio et face à Épinal qui sont quand même deux candidats déclarés à la montée. Nous on a montré qu'on était vraiment en tout cas présents aussi pour exister. On veut exister dans ce championnat-là. Après on verra, on n'en connaît pas l'issue, mais pour l'instant, en tout cas sur les choses que l'on a montré, on a vraiment existé. C'est de notre cas de confirmer.
les choses. Lusitano s'en a montré, il faudra en montrer d'autres. Qu'est-ce qu'attend justement l'entraîneur de Samo Ronaldizis de cette rencontre? Les points clés, c'était à ton micro, Eric, juste tout à l'heure en avant-match. Mon coach, prêt pour cette bataille, cette nouvelle bataille face à Agno? Oui, parce que bon, on est premier, on a envie de continuer notre aventure sans se poser de questions. Voilà, Agno, c'est une équipe qui est assez difficile. J'espère qu'on va gagner la dynamique qu'on a depuis le départ. Rester invaincu à Chéroux. Rester invaincu à Chéroux, garder notre première place, voilà, et puis faire du plaisir à nos supporters aussi. Merci coach, bon match. À faire plaisir aux supporters, c'est ça qui est aussi important. Et c'est une composante qu'on a senti dans le jeu de Lusitano ces dernières semaines. Oui, non, c'est ça. Et en tout cas, le plaisir, il n'est pas seulement que pour les supporters. On sent vraiment que même cette équipe-là, les, entre coéquipiers, ils prennent plaisir à jouer ensemble. Vraiment, ils font les efforts les uns après les autres. En tout cas, c'est pas pour faire de la publicité sur le petit magazine d'avant-match. On sent que Florian Dexé, en tout cas, le dit lui-même. En tout cas, ils prennent vraiment énormément de plaisir à faire les efforts les uns pour les autres et vraiment à se dépouiller et à se mettre minable pour son copain. Sur le terrain, ils montrent de belles choses, une belle cohésion d'équipe et c'est pour ça, il y a vraiment de belles promesses et on a envie vraiment de les voir continuer pendant très très longtemps comme ça. Et le plus longtemps possible alors que les deux équipes s'apprêtent à rentrer dans quelques minutes sur la pelouse du Stade Chéron. Elles sont dans le tunnel, prêtes à faire leur entrée. Oui, on sent que ça se prépare, que voilà, tout le monde commence à... Voilà, on voit les délégués déjà, Michel Dorodo. Ça parle beaucoup, en tout cas, on sent qu'il n'y a pas une tension, parce que c'était pas dans que la cinquième journée, mais on sent vraiment qu'il y a vraiment les choses qui se mettent en place, les joueurs commencent à faire leur apparition dans le tunnel. En tout cas, on voit Agno déjà être prêt, qui va jouer en blanc, et les Lusitanos qui vont arriver tout de suite après. Donc les choses se mettent en place, les banques touches commencent à se remplir, ça sent le début du match. Ça sent, même au sens propre hein, d'ailleurs, ça sent aussi la... Les sandwichs à se préparer. Voilà, on le disait, hein, c'est un début de saison qui est pour l'instant idéal du côté de Saint-Maur. Il va falloir le confirmer. Alors, on le disait, Agno, c'est une équipe qui reste sur des très bons résultats, notamment contre l'Entente Saint-Gratien, qui est un des adversaires qui va être solide dans ce championnat, qui va faire figure de test. L'Entente Saint-Gratien d'ailleurs que reçoit Saint-Maur dans deux semaines ici à Chéron. Alors que les deux équipes font leur entrée sur la pelouse synthétique du Stade Chéron. Voilà les rouges, les blancs, l'agneau. De belles promesses, deux équipes convaincues avec Atlético Paris les deux dernières journées. Donc, un client sérieux. On voit un protocole sanitaire oblige. Alors, on a vu plusieurs tests faits par l'ensemble des équipes. On a eu d'abord chaque équipe qui rentre l'une après l'autre, ce qui rendait vraiment très très bizarre. Là, voilà, le choix fait, c'est de laisser un mètre de distance entre les deux colonnes, ce qui paraît quand même un petit peu plus habituel, on va dire. Juste avant de débuter cette rencontre avec le donc, nouveau protocole, pas de serrage devant entre les joueurs, mais les photos qui vont être faites, on va profiter pour jeter un œil sur les compositions d'équipe avec d'abord celle de Saint-Maur. Alors on en parlait, la rotation oblige, Alexandre Bouchard qui fait son retour dans le but, Ali Rango qui lui était présent pour le match contre le Gazélec et donc contre Épinal. La défense, c'est la classique désormais. Avec Flo Dexé sur la gauche, la charnière Amidouba, Walter Viegas et Amadi Traoré sur le côté droit. Milieu de terrain, Azraq Mahamat et Walter Ribeiro. Et puis les quatre offensifs avec Florent Goncalves sur le côté droit. Damien Boudjema en numéro 10, Idriss Khaled sur le côté gauche. Et donc la pointe Patrick Etchimi. Du classique côté Saint-Maur, mais du classique qui a fait ses preuves. Exactement. Fidèle à sa méthode,
faire tourner son effectif, pour vraiment faire que tout le monde soit concerné en tout cas dans son projet de groupe. Donc les changements ont été faits avec Cadet qui remplace Bezouyan sur le côté, avec donc Belibi qui remplace Morera plutôt dans le milieu de terrain, puis Bouchard voilà, dans cette rotation qui avait été décidée donc, au début de saison entre Ali et Rambo et Alexandre Bouchard. Mais pour l'instant, voilà, pas une équipe qui a fait ses preuves et une défense aussi qui a surtout fait ses preuves. Et c'est parti donc, Agno est la dernière équipe à avoir fait tomber l'US Lusitanos. C'était au Stade Chéron, c'était en février dernier déjà. Depuis le début de cette nouvelle saison en championnat national 2, aucune défaite pour les Rouges. Bon, ça fait à peine que 5 secondes que ça a commencé. Mais bon, Antoine, on n'en parle plus. Agno a gagné l'année dernière, on arrête maintenant. Voilà, non, mais il faut rompre le sort un petit peu. Il faut pas être superstitieux. Bon, ça c'est des mauvaises choses. En tout cas, Agno, hein, vous le voyez. Vous allez le voir sur les 1. Dès que le bloc va remonter, pour l'instant, il semble se positionner en 4-3-3. On vous donnera bien sûr la composition exacte. Et pour l'instant, voilà, conserver le ballon. Ne pas se précipiter et surtout ne pas se donner, on va dire, au pressing de Saint-Maur. Lusitanos qui a été très intéressant sur ce domaine de jeu dans les matchs précédents. Récupérer des ballons et bien les utiliser, bien transmettre vers l'avant. Ouais, c'est une équipe qui a... On parlait d'expérience, on parlait d'équipe solide. C'est, voilà, c'est ce bon mélange entre de l'expérience et aussi de la jeunesse. Ils ont su intelligemment remanier leur effectif à l'intersaison, Agno. Ouais, c'est... On sent du respect quand même des deux côtés, mine de rien. Même si du côté de Saint-Maur, forcément, de Lusitanos, il y aura cette envie d'aller vers l'avant rapidement, de très vite asseoir cette domination. C'est une... enfin, on peut pas dire une nouveauté, parce que c'était déjà le cas les saisons précédentes, mais on sentait quand même un petit frein, une sorte de dire attention, on a déjà été puni, alors que là, voilà, c'est vraiment de l'envie d'aller vers l'avant, de faire mal à l'adversaire le plus possible, et le plus rapidement possible. Quand même solide. Walter Viegas sur cette première intervention. Voilà, tout de suite imposé, dire voilà. Tout de suite dire vous n'allez pas rentrer comme ça dans notre surface de réparation. Ça fait alors, on le sait, hein, Walter Viegas est l'un des plus anciens de l'effectif. Et il a cette saison, on sent même encore une fois qu'il a monté d'un cran sur son autorité. Parce qu'on le sait, alors c'est un joueur qui est de qualité, ça fait 4 ans qu'on le voit. Mais il y avait quand même peut-être toujours cette sorte de timidité qui le mettait un petit peu en retrait. Et là sur le terrain, on sent qu'il a vraiment pris une dimension complètement d'assumer en fait ce rôle. Le brassard aide forcément, de dire voilà, d'assumer sa présence. Et en plus avoir à côté quelqu'un comme Midouba, ça rassure forcément. Tout est dans la coupe, hein. Il y a une coupe un peu à Zlatan Ibrahimovic. Donc ouais, mais bah, après,
Alors bien sûr, sans rentrer dans ces débats-là, enfin, on sait que la psychologie a une part très très importante dans les performances du footballeur, et surtout à ce niveau où il n'y a pas de grosses disparités physiques, il n'y a pas d'énormes disparités techniques, c'est vraiment le mental, et il y a de la tactique forcément qui joue, mais ouais, c'est au mental souvent que les matchs se jouent, que les petits détails font la différence, c'est celui qui a le plus envie, celui qui va vraiment aller chercher le surplus d'énergie. Ah, bien joué Goncalves là qui s'est encore une fois remis sur son pied gauche. Pas hanté. Avec Mamat. On va être obligé de revenir. Villegas qui réclame le ballon. On va plutôt changer de côté. Dommage, j'avais un flot d'excès. C'était intéressant. Mais ça a été intercepté par Dembélé. Rotation un petit peu manquée du côté d'Agno. Bélassène. Avec Parpex. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait faire Bélassène, mais ça a fonctionné finalement et on va réussir à trouver pourquoi pas Bure dans la surface de réparation, le centre fort, Bouchard qui a bien anticipé, bien devancé l'arrivée de son adversaire et qui l'a complètement gêné. Ça sera un corner pour Agno. Attention, première situation dangereuse. Premier coup de pied arrêté pour Agno. Et attention à ces petits trous dans la défense. Il y a du monde dans la surface de réparation. Le coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre. C'est parti, premier poteau. Tête d'Ami Douba, ça va revenir. Un Boudjema qui ne peut pas récupérer. Et finalement le ballon qui va être pour les blancs. Alors on demandait du côté de Dembélé. On ne l'a pas trouvé. Et Alexandre Bouchard va pouvoir calmer le jeu. Alors, retrouver un peu de sérénité, pas aller trop vite. Ils sont très bien en place pour l'instant les joueurs d'Agno. Parle beaucoup sur le terrain et Bouchard qui peut allonger. Chercher la tête de Joseph Belibi et la main. Il y a bien main. Quentin Bure. C'est joué rapidement. Ami Douba. Mali Traoré. On va bien jouer, on va essayer de retrouver Goncalves, le contrôle est bon. Allez, essayer de se mettre face au jeu, il a du soutien, c'est bien joué. Ah, ah, pas réussi. C'est dommage, c'est intéressant et attention au contre, ça peut aller assez vite. Pas de position d'hors-jeu, entre la surface de réparation et c'est finalement un corner. Très bon retour là. C'est finalement le hors-jeu qui a été signalé, oui. Le jeune arbitre qui s'est trompé dans son mouvement. Monsieur Bousquet. Viegas. Ah, Belibi qui lui fait le signe. Calme, tout va bien. Bien sûr, il y a de l'attente du public, mais c'est pas non plus utile de trop se précipiter. Nouvelle faute de main. C'est joué rapidement avec Amélie Traoré qui est monté sur le côté droit, le centre de Traoré, il y a Patrick Hetchimi dans la surface de réparation, il y a l'arrivée de Boudjema. Ça arrive jusqu'à l'ancien joueur de l'Entente Thanos Saint-Gratien qui peut partir en retrait, la frappe. Première frappe cadrée de la rencontre, Azraq Pahamat. Et c'est dans les gants de Pierre Hébédé.
Ballon rendu. Oh, le Gitanos. Qui après des premières minutes un petit peu compliquées ont pris le contrôle du ballon là. Ah, Chimi, c'est bien ce qu'il fait d'au jeu. Il peut décaler Goncalves. Il y a du monde dans la phase de réparation. Il y a Idriss Kadet qui est monté depuis le côté. Goncalves qui va provoquer, qui va centrer du pied droit. Un peu inattendu. C'était intéressant, ça passe devant tout le monde. On renvoie au 5 mètres 50. Et Florent Goncalves qui se met déjà. En évidence. Bruno qui était décisif ici il y a une semaine et demie. Passeur décisif pour Amadi Traoré, même si il y a un petit peu de réussite, son ballon était contré. Attention à Midouba là, ça va arriver. Ça va jusqu'à Alexandre Bouchard. On le sent en jambe, Bruno Goncalves. Vigas, Amidouba. On a du mal pour l'instant à trouver les deux milieux de terrain. Adrak Mahamat qui est redétendu très bas pour toucher des ballons. Pareil pour Joseph Belibi. Vigas, ça c'est bien joué sur cette ligne pour Damien Boudjama. Très vite serré. Hein. Trois joueurs d'Agno directement sur lui. Et Vigas qui peut allonger, c'est bien fait. Ça y est, à l'appel de Flodex, c'est position d'hors-jeu si finalement. Drapeau. Hors-jeu signalé. Drapeau s'est levé un petit peu tardivement, mais quand même moins tardivement qu'avec le protocole assistance vidéo. On a vu le jouer rapidement hein, du côté d'Agno finalement. Voilà, on va calmer le jeu, vérifier que la position est bonne. Pex allonge à Midouba. Dominant dans les airs forcément. Et il risque à l'aide qu'a trouvé Boudjema. Je pense qu'il y a eu de la séance vidéo parce que quand on voit en tout cas le numéro 6, donc Reda Velasen dans la zone de Boudjema, on sent vraiment que la cible tactique on va dire d'Agnos, c'est un certain Damien Boudjema. Aïe. Pas trop libre sur le terrain. Velasen qui est vraiment. Reda effectivement Belassen parce qu'ils sont deux sur le terrain, Reda et Karim. Reda effectivement qui traîne dans la zone du numéro 8. C'est un peu comme ça d'ailleurs que le Gazélec Ajaccio avait complètement gêné la construction du jeu de Lusitanos il y a une semaine et demie. En mettant justement un joueur dans la zone de Damien Boudjama qui avait été très performant en première période. Et c'est lui qu'on trouve justement s'appuyer sur Yerskaet. C'est bien fait ça, il y a un petit peu d'espace du côté de Joseph Belibi. S'appuyer sur Patrick Hachimi, la déviation, il voulait peut-être trouver Damien Boudjama, il a réussi à conserver le ballon. Flo Dexet, peut-être centré en une touche, hein. Il y avait un truc à faire, il y avait Goncalves qui avait fait un appel au second, il a préféré essayer de se retourner, finalement c'est perdu. Avec Belassen justement, et Parpex, il n'a pas s'embarrassé, dégagé, et même plutôt bien dégagé. Sur Omri Runba. Eh bien joué Flo Dexet sur la trajectoire, il est bon là pour fermer ses lignes de passe, hein, dommage. Un peu moins bien réussi, il y a peut-être une petite faute de Joseph Belibi, l'arbitre qui ne dit rien. On va dire qu'on n'a pas vu les mains. Ah, une vraie bataille en tout cas au milieu de terrain. C'est là que je pense que ça risque de jouer, c'est vraiment cette bataille du milieu de terrain et de la position de balle. Et dans deux styles différents d'ailleurs, parce que du côté de Tagno, c'est vraiment deux joueurs on va dire qui sont assez costauds, assez physiques. Avec notamment Reda Belassen. Et un peu plus agile pour Bure. Et Madiri de l'autre côté. C'est peut-être un petit peu plus complémentaire hein, du côté de Louis Danos avec vraiment la tour de contrôle à Drak Mahamat. On pourrait appeler box to box Joseph Belibi. Et le milieu offensif complètement libre. Damien Boudjama. On essaie vraiment de passer par les milieux de terrain du côté de Saint-Maur, ce qu'on n'a pas trop réussi à faire sur les premières minutes. Il a vraiment essayé de toucher Mahamat, essayer de toucher Belibi pour faire remonter progressivement ce ballon, éviter
de sauter des lignes jusqu'au moment où, voilà, faire sortir les joueurs d'Haguenau pour allonger directement. Et là, si on réussissait à trouver Patrick Etchimi, il y avait Idriss Khaled qui était parti dans le dos. Et là, c'est la transition, elle peut faire mal. Boudjema, Dexé. Ah, c'est un petit peu dans le dos, c'est dommage, ça va ralentir, mais on va réussir quand même à trouver Idriss Khaled. On va réussir à remettre un flot Dexé, c'est bien joué. Il y a du monde à surface de réparation, il faut centrer maintenant. Mettre ce ballon sur la première touche. Il faut aller la mettre sur la première touche. Les joueurs étaient en mouvement. Non, on sent vraiment que Saint-Maur veut peut-être aussi faire sauter les rideaux défensifs d'Haguenau, justement en faisant monter ce bloc équipe, en l'étirant au maximum pour pouvoir profiter des espaces. Et complètement. On essaie de l'étirer latéralement et au contraire de le compacter sur la longueur pour créer des espaces dans le dos. Ça fait plusieurs fois que les joueurs d'Haguenau se font prendre à ce piège, entre guillemets, de sortir sur les défenseurs. Ah, bien joué, bien bougé, il faut la lâcher, voilà, bien joué. On a pu apprécier une roulette au passage, hein, quand même. Complètement, complètement. Après, on est coutumé du fait avec Damien Boudjema. C'est pas une roulette pour faire c'est une roulette qui a servi à se déporter de l'adversaire qui est en face de lui. Vigas. Ah, c'est bien fait ce qui tente la Valter Vigas, se créer le surnom moi. Et surtout qu'il a continué son action. Ah, c'est dommage que ça n'arrive pas sur Idriss Khaled. Ah, voilà, on essaie de le faire sortir, de fixer un joueur. Pour ensuite sauter une ligne. Ah, c'est dommage qu'elle soit un peu dans le dos celle-là. Ah bien, l'appel de Patrick Etchimi, il est un petit peu esselé. Diagon Calves qui va arriver dans la surface de réparation, c'est bien joué. Il y a Idriss Khaled dans la surface, on va lui donner la frappe d'Idriss Khaled. C'est intéressant, c'est ce geste qu'il fallait tenter. En y croyant un petit peu plus, on a l'impression qu'il a été surpris en tout cas. C'est ce genre d'action qui va permettre de libérer des espaces. Non mais sur ça, Patrick avait très bien joué en décalant. Alors que là c'est une faute sur Viegas, mais en décalant en tout cas vraiment dans sa course Bruno. Et il a peut-être pu tenter sa chance du gauche, mais il a préféré jouer sur Khaled qui n'a pas assez appuyé sa frappe. Mais on va dire que c'est la mise en route, la mise en jambe. Ah, mais je pense que c'est la bonne solution d'essayer de trouver Idriss Khaled qui était bien passé, qui avait bien fait un très bel appel depuis l'extérieur, revenir passer devant le défenseur au dernier moment. Mais je pense que lui n'était même pas sûr de recevoir le ballon, il n'a pas vraiment cru, il n'est pas rentré dans le ballon. Allez, pourquoi pas, quand on galère dans le jeu, sur coup de pied arrêté, Flo Dexé. C'est bien fait, il a très bien tiré ce coup franc de Flo Dexé, c'est finalement bien dégagé. Ça va revenir avec Goncalves. Il y a l'appel de Boudjema. Il va plutôt mettre ce ballon dans la boîte, mais ouais, quand il est sur le mauvais pied, il a pris un peu plus de temps, la fraction de seconde. Attention, faut pas se rater Dexé, voilà, bien joué. Bien joué, ça va revenir jusqu'à Bouchard. minutes de jeu, toujours 0-0. Un match, on peut pas dire que c'est palpitant, il n'y a pas énormément d'occasions, mais c'est très très intéressant ce que propose Lusitanos depuis le début du match et la manière dont Haguenau va essayer de s'adapter va aussi être intéressante à suivre. Il faut insister du côté des Rouges, surtout essayer de profiter de garder cette mainmise sur le jeu et ne pas céder le ballon, on va dire inutilement, parce que là on sent qu'il y a le contrôle, on sent que le pressing il est déclenché au moment où il faut. Mais il suffit d'une petite demi-seconde, perte de contrôle, un petit pressing un peu en retard, et ce plan qui est très bien exécuté pour l'instant peut vite être très dangereux. On l'a vu tout à l'heure, hein. Un petit espace, un trou dans le dos et une opportunité pour Bure. Ok, là, cette touche, Wally Traoré. Attention, Vigas qui a été devancé et le ballon bien pris par Amidouba. Ouf, d'excès. Il fallait le voir arriver dans son dos. Il fallait mieux pas prendre de risque. Oui. Surtout très bien parlé, je pense, parce que je suis pas sûr qu'il l'avait vu. Et il a dû sentir vraiment au dernier moment et pousser le ballon le plus loin possible, hors de portée de Dembélé. La touche.
qui va être faite par Bellasen. On va essayer de mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est que pendant le moment qu'il met d'excès le second ballon, il est raté aussi. Voilà, hop. Il risque à l'aide. Je pense que c'était le mieux à faire là. Éviter le cafouillage. Pas prendre le risque. Un ballon qui retomberait au mauvais endroit. Mélassène avec Buer. Il voulait mettre ce ballon très vite vers l'avant et Amidouba qui va le mettre très vite de l'autre côté. Bon pressing de Boudjema, ça ne suffit pas. Buer. Ah non, mauvais choix du coup de joueur d'Agno et ça peut permettre une transition offensive intéressante avec Goncalves. C'est ce qu'il fallait faire. Dommage que ça ne touche pas à Mamat parce que là, aucune solution devant. S'il prend le ballon, il est quasiment condamné à le perdre. Il y a Dexé qui marche tranquillement, prêt à demander le ballon de l'autre côté. On a un petit peu précipité l'action, on a forcé ce long ballon sur Amadi Traoré. Et vous entendez un Walter Vigas voilà, qui avait tout vu et qui a dit à Damien Boudjema d'aller faire ce pressing. Et conclusion, récupération, Dexé, Khaled. Le contrôle involontaire aurait pu être très beau s'il avait réussi à la récupérer. Ouais, attention, un petit peu trop d'engagement mis. Le contrôle est mauvais de la part de Nguyen Romba, ça permet une récupération de Luis Danos. Traoré, voilà, prendre son temps, il a provoqué maintenant Goncalves, il peut le faire, il a les jambes, il y a le dédoublement Traoré, il va s'en servir, l'utiliser, revenir sur Goncalves. Il y a la solution Belibi, il faut changer de côté là, voilà, c'est fait avec Flodexé, c'est un petit peu forcé, mais il va quand même réussir à prendre ce ballon. Ça me paraît très Atletico et finalement, récupération d'Embele qui a oublié le ballon et qui a permis à Boudjema de récupérer. Heureusement parce que s'il la pousse, ah, très bien joué cette passe qui a cassé trois lignes. Oh oui, la fin de corde d'Idriss Khaled, il faut orienter, il faut continuer, il n'y a pas de solution là dans le... Dans le... Ah, il y avait un espace, il y avait un espace et là Adrak Mahamad qui n'a pas senti le coup, qui n'est pas monté d'un cran. Il est resté sur la même ligne que ses défenseurs et le ballon est quand même conservé par le Thanos. Ça a bien joué dès que ça va falloir sortir, il faut changer très vite, très vite. Voilà, il faut faire bouger ce bloc et à Boudjema c'est très intéressant. Il y avait l'espace, il y a Belibi à trouver, ouais. Il a demandé le ballon, vous l'avez vu. Un petit peu trop long, heureusement, et Chimik a décroché. Belibi à ses côtés, il va prendre son temps, essayer de trouver Amadi Traoré, c'est bien fait. Goncalves, ah, il y a de l'espace, il y a de l'espace. Il y a un centre à trouver, il y a Patrick Etchimi dans la surface, et le dégagement de Parpex. Ça revient sur Goncalves. Belibi. Ah, dommage, c'était ça qu'il fallait faire, essayer de trouver Boudjema, est-ce qu'il va réussir à la récupérer? Non. Et finalement, c'est dégagé sur Vigas. Mais on sent que voilà, Villegas a donné de la voix, parce qu'ils sont vraiment qu'il y a eu un faux rythme qui commençait à s'installer, un peu comme l'année dernière, bah, sur le match de février dernier face à Agno, qui avait profité justement de ce faux rythme pour ensuite planter une banderille et un but 1-0 en deuxième période. Mais là, on sent vraiment que Walter Villegas aussi voilà, fait son, dans son rôle de capitaine. C'est pour ça d'ailleurs que les transitions se font plus rapidement, qu'on essaie de mettre du rythme du côté de Samor, parce qu'on sent vraiment que ce faux rythme en tout cas est à l'avantage d'Agno. Et il faut pas voilà, faut vraiment se réveiller. Et, redoubler, faire des passes à une touche, voilà. Pas hésiter, quoi. Mettre du rythme. Ouais, parce que contrôler c'est bien, mais il y a contrôler, contrôler et finalement quand on laisse le ballon à l'adversaire qui a un semblant de contrôle, mais qu'en fait finalement c'est l'adversaire qui dicte ce qu'il veut faire. Alors que là voilà ce qu'on a vu avec, avec le gros pressing initié par Boudjema et demandé par Villegas, c'est que on a forcé Agno à jouer là où Lusitano c'était en nombre. C'est une des bases du football. Il y a défendre sur l'homme, il y a défendre justement en emmenant, en décidant d'où l'équipe adverse va jouer, de jouer sur ses points forts. Il crée des surnombres et attention parce qu'en parlant de surnombre, il y a un 4 contre 3 à jouer. Il y a Dembélé sur le côté, elle a passé dans le dos. Et heureusement, mais de toute façon, on s'était bien replié du côté Lusitano. Là, il y avait vraiment une opportunité en tout cas pour Arnaud, parce que vraiment ce 4 contre 3, mais bon. Bah ce qui a été mal joué, on va dire, c'est que 4 joueurs, oui, mais un joueur qui porte le ballon et 3 qui font les appels en profondeur. Aucune diversité dans les appels, forcément, c'est très très lisible pour Flo Dexé et pour toute la défense de Luis Lusitano. Oula, Timmy. Patrick Etchimi qui avait été complètement sevré de ballon contre le Gazélec Ajaccio. Là, qui se montre un petit peu plus et qui en demande plus, qui décroche et qui oriente le jeu.
Et ce qui est intéressant, c'est que même quand il décroche pour orienter, il a le coffre pour faire l'appel et être présent devant et créer le danger. Contrairement par exemple à Omri Rumba qu'on ne voit pas du tout en ce début de match. Ah, peut-être qu'il va prendre le ballon, là il y a un contact entre les deux. Non, pas de faute, touche. Ouais. Touche signalée par Monsieur Bousquet. C'est Amadi Traoré qui est au sol. Je pense qu'il y a eu un... Il a dû avoir un petit coup dans la dans le visage, sur l'élan. Passe des 25 minutes, hein, toujours 0-0. On va profiter de ce temps un petit peu pour jeter un œil aux autres scores. Dans ce groupe B de National 2. Avec Metz qui a fait match nul contre Belfort, 2 buts partout, c'est terminé. Terminé également à Saint-Quentin où le Gazélec Ajaccio s'est imposé 2-1. Et sur les autres terrains, 0-0. Terminé entre Schiltigheim et Beauvais, 0-0. Entre Bobigny et Épinal, entre Sedan et Auxerre. L'entente de Saint-Lô-Saint-Gratien et les réserves de Lens. Et dans 5 minutes maintenant, le coup d'envoi de Paris 13 Atlético contre la réserve du stade de Reims. Donc notre futur adversaire, Belfort, là, qui a ramené, enfin, qui est revenu au score parce qu'il perdait 2-0 face à Metz du côté de Metz et notamment qui a un but d'un ancien de chez nous. Ah, Philippe Auclèche. Qui a réduit l'écart alors que Metz menait au bout de 20 minutes, 2-0. Et en seconde période. Clay 51ème et Amofa à la 80ème pour revenir. France Méfi hein, de l'ASM Belfort. Un ancien quart de finaliste de la Coupe de France la saison passée, donc forcément. Adversaire, le premier adversaire qu'on n'a pas affronté, le Suitanos. Ça aurait dû être le match le 14 mars, le premier match à être reporté la saison dernière. C'est cela. Je vais recevoir Belfort quand. Coup près est tombé et que le championnat s'est arrêté. On sent là Madi Traoré qui se fait soigner sur le bord du terrain. J'espère que c'est pas trop grave pour le latéral qui était vraiment très intéressant depuis le début de saison. Ah, bien joué la récupération, il faut mettre le pied, bien joué Damien Boudjema. Ouais, il y a faute, ouais. Ouais, il y a eu contact. C'était quand même dangereux parce que s'il va franchement. Ouais, sur le terrain comme il fallait mettre courage parce que certains n'auraient pas mis le pied je pense ouais, il fallait la toucher bien petit coup sur le coup du pied ça a carrément dénoué son lacet Damien Boudjema l'arbitre qui a signalé une touche. Ah, Damien Boudjema qui a refait son lacet. C'est mort pour Amadi. Ouais, ça a l'air. Il boite assez sévèrement, Amadi Traoré. Même Baba Silla qui est sur le banc. Qui est parti. L'aider, donc, peut-être envoyer l'échauffement. Donc Farid Bezioen, ouais. Issa Niakate et Wilson Moreira. Comment on peut adapter dans ce cas-là ? Il n'y a pas d'autre vrai latéral droit de formation sur le terrain. On va quand même revenir justement à ce terrain parce que Damien Boudjema qui a provoqué. Qui a... Non, celle-ci est licite. Tout à l'heure, non. Celle-ci est licite, l'intervention. Voilà, très, très bon pressing également. Idriss Khaled aidé par Flo Dexet. C'est la position de hors-jeu ouais, qui est signalée. Pas devant, monsieur Dembélé. Voilà. De toute façon, pas très grave vu qu'on joue derrière. Avec Mamat, il y a Dexa qui demande le ballon. Il n'est pas servi. Vigas. Amidouba. Il faut que quelqu'un décroche là. Il y a Mamat qui est trop bas. Et Joseph Belibi qui est trop haut. Ce qui fait qu'il n'y a pas de variété dans le milieu de terrain. C'était deux lignes très espacées. Heureusement, on a réussi quand même à passer sur le côté avec Flo Dexa. On va s'appuyer sur Idriss Khaled. Le 1-2. Faut redemander directement. Oui, bah il est resté à la même place, Flo Dexet, la calette qui avait enclenché le 1-2. Il était obligé de lui remettre au même endroit, du coup, pas de progression. Et surtout, on peut s'installer beaucoup plus facilement au niveau du pressing. Petit moment de flottement là, du côté de Saint-Maur sur ces dernières minutes. En tout cas, je suis curieux de voir tactiquement la réponse.
réponse de Ronald Zizi sur ce premier changement, parce qu'on a l'impression que c'est Farid donc Bizouyen qui va rentrer, donc on échange un défenseur contre un attaquant, donc qui va glisser dans ce rôle, apparemment peut-être Bruno qui est déjà en place. Et pour l'instant je pense qu'il couvre sur tout l'ensemble du couloir Bruno Goncalves. Est-ce qu'il va, descendre d'un cran? Est-ce qu'on va mettre Damien Boudjama sur un côté pour servir de piston? On succombe à la mode de 3 centraux avec Azraq Mahamat qui coulisse et qui s'intercale entre eux. C'est faisable hein, avec Goncalves et Dexé. Dexé qui a le profil en tout cas, qui est parfaitement capable de jouer dans ce rôle-là. Alors, bien sûr que ça ne s'improvise pas de jouer piston, mais qui a les caractéristiques en manière nécessaire pour occuper ce rôle le temps au moins d'une période. Il reste 15 minutes. Dans cette première période, le temps de pouvoir faire des ajustements un petit peu plus profonds tactiquement. Il faut au moins colmater la brèche. Parce que là pour l'instant, Saint-Maur est à 10 depuis un petit bout de temps. Ah, derrière Boudjama. Tout à l'heure c'était utile, là c'était un petit peu gourmand et ça permet une belle récupération et superbe prise. Joseph Bellibi, il faut sortir de là, voilà, bien joué avec Dexé. Oula, il a deux joueurs sur lui. Et, il est complètement fermé à Flo Dexé. À l'obstruction. On va revenir à la. Est-ce qu'on revient à la faute sur Flo Dexé? Non, c'est celle sur. Sur Joseph Bellibi. Et donc le changement. Avec la sortie d'Amadi Traoré et donc l'entrée de Farid Bezioen. Deuxième minute et Farid qui fait son entrée. Alors Farid Bezioen qui va se placer dans le cœur du jeu ou sur le côté gauche. Il va se placer sur le côté gauche et c'est Idriss Khaled qui va partir sur le côté droit. Et effectivement, donc Alves qui est donc parti descendre d'un cran et pourquoi pas ce second ballon avec Damien Boudjama. Il a marché sur le ballon, il n'a pas réussi à le contrôler. Et attention à ce long ballon. On cherche Dembélé ou il fallait pas se planquer. La faute d'Exe, il a touché à mon avis. Je pense que s'il le touche pas, ouf, complexe. Et la touche avec Belhassen. On demande une main. Ouh là, attention là, sur Walter Villegas, pas de geste dangereux sur lui, mais la remise est pas exactement parfaite. Et on a la première montée de Rosenfelder, enfin, on l'a pas vu du tout offensivement, le latéral gauche. Et là c'est lui qui est en position du ballon, le centre devant Goncalves, ça va passer au-dessus du but. Alexandre Bouchard qui passe pour l'instant 40 minutes très, enfin, 33 minutes très tranquille. Deux tirs pour l'instant dans cette rencontre, deux tirs cadrés du côté de Los Lusitanos. Aucun pour Agno. Un seul corner côté droit pour les Normands. Vegas avec Bellibi. Et là on voit un petit souci quand même, il y a beaucoup trop d'espace entre la défense, les deux milieux défensifs et la ligne de 4 offensifs. Voilà, là c'est beaucoup mieux le placement des joueurs. Et Bezioen, premier ballon qui se montre directement décisif avec Dexé. Elle voulait retrouver Bezioen, c'était lisible à ce qu'il a tenté de faire. Il faut se parler, là Vegas et Amidouba. Pas de risque pris par Walter Villegas, le second ballon, il faut être présent, voilà, le premier ballon il va être pour eux, mais le second ballon pour Patrick Hachimi. Farid Bezioen, c'est même Damien Boudjama qui est venu, ça s'est récupéré. Khaled, attention là, cette passe, on va pas rater Amidouba. Serein l'ancien d'Anton Saint-Gratien. C'est une première période un peu bizarre là qu'on vit. Au départ c'était intéressant et puis il y a eu un... Tu parles de faux rythme, c'est un peu ça, un faux rythme qui s'est installé, mais en même temps, on a l'impression que Saint-Maur est en contrôle. Mais on sent quand même que sur un long ballon, ça peut très très vite basculer. Peu d'occasion, peu de mouvement. Il est par jeu. Si, il est. Alors, il a levé le drapeau seulement après, là, il y a eu un tout petit temps, c'est pour ça que il m'a mis le doute, l'assistant de Monsieur Bousquet.
Monsieur Ascarne, de ce côté-ci. Qui a tout petit peu tardé avant de lever son drapeau. Ouais, c'est intéressant ce qu'il fait à Drake Mahamat, mais le problème c'est que vu que le pressing est sur lui de base, ça n'efface personne et il s'est mis en difficulté. Et attends, il faut être présent sur le second ballon. Vegas. On est sur un bloc bas du côté de la Dagno. Oh, c'est bien joué, il s'est raté, il risque Khaled. Il y a une chance, pourquoi pas. Il y a les timides, il y a une chance de réparation, il faut rentrer au premier, il va tenter sa chance de Khaled, elle est belle. Ouf. Le petit rebond à quelques centimètres du poteau. Elle était belle celle-là. Non, je pense que ça passera par cela. Il faudra des prises d'initiative individuelles et notamment bah, voilà, une frappe comme ça tout de suite. Un peu ça spécial à Idriss. Mais voilà, c'est pas passé loin. Je pense que c'est un petit avertissement pour Pierre et BD. Ah, puis il n'avait pas vraiment d'autre choix finalement, hein, Idriss Khaled, parce que. Et Farid Beziwen. Et Patrick Etchimi était au second et moi au départ je pensais que c'était un faux appel de Patrick Etchimi, mais il a pas repiqué au moment où Khaled repart sur son pied gauche. Là c'est très intéressant de partir au deuxième, mais ce qu'il faut faire dans ce cas là après c'est replonger et repasser juste devant le défenseur pour le surprendre, un peu ce qu'a fait Idriss Khaled tout à l'heure finalement. Et là Etchimi qui a tardé à croiser son appel. Alors finalement bon, on sait qu'il est pas maladroit de son pied gauche Idriss Khaled. Mais il y aurait peut-être pu avoir une solution un peu plus intéressante et plus dangereuse. Allez, se servir de cette occasion, peut-être se réveiller. Boudjema n'arrive pas vraiment à accélérer balle au pied, il faut trouver une autre solution. Khaled, il se balance dans la boîte, non finalement. Temporise, il va le faire ça dans un second temps, bah, dans un second temps plus personne n'est lancé. Et là par contre, il y en a un qui est lancé. C'est l'attaquant d'Agueno, bien pris par Goncalves. Et bon retour de Khaled, même si le ballon reste finalement pour les blancs et Goncalves se mettre le pied intelligemment. La touche donc à Krosenfelder. Et les joueurs d'Agno sont montés vraiment en nombre. Ils sont tous dans la moitié de terrain de Saint-Maur. Il y a peut-être un petit coup à jouer là sur un compte. Si jamais Etchimi arrive à prendre ce ballon en premier, le second ballon, est-ce qu'il est pour Damien Boudjema? Non. Il va être finalement pour Alexandre Bouchard. Alors qu'Etchimi a pris un coup, ouais. Je vais me le montrer à Eric. Et Beziwen qui est tout seul. Vraiment là, il fait un pressing, c'est intéressant, mais voilà. Une passe et c'est effacé parce que Chimi était au sol et que Idriss Khaled est resté un cran en retrait. Personne n'est venu compenser là, Damien Boudjema. Il faut aller les chasser. Et Chimi qui, ouais, vous le voyez dans l'angle central, on va sortir ce ballon. Ouf. J'arrive pas à savoir si c'est fair play ou pas, attention au ballon comme ça. On va dire que oui quand même. On va dire que, ouais, le ballon est sorti. Voilà. On va s'enquérir de l'état de santé Patrick et Chimi. Ça va être un petit coup sur un duel. Rien de bien grave, je pense. C'est Ami Douba qui est venu le relever. Je pense que si Ami Douba vous prend la main et vous soulève, vous avez le temps de faire 5 cm, de plus sentir le sol avant de retomber par terre. Voilà, il parle avec Walter Viegas. La charnière neuve est pourtant déjà tellement complémentaire. Complémentaire et complice. C'est ça qui est... c'est une des forces de la saison de toute façon. Le rendu, ça va mieux pour Patrick Etchimi. Parpex. Expérimenté, hein. J'attends Parpex. Passé par. Notamment par Nîmes. En Ligue 2. Quelques matchs de Ligue 2 au compteur. Qui a contribué quand même au renouveau des Crocodiles nîmois. Et puis c'est cette saison complètement incroyable où ils partent de base avec 3 points de retrait et ils finissent aux portes de la Ligue 1. Ah. Peut-être là, voilà. Allez, il faut porter ce ballon, voilà, il faut porter, il faut fixer avant de donner. Ah, c'est pas fait, c'est pas fixé ça.
Il a donné beaucoup trop tôt, Ozrak Mahamat, il a fixé personne. Et en plus, il a donné un petit peu derrière Idriss Khaled. Et attention, du coup, à retour de bâton, parce que là, on est monté en nombre. Ah, le contrôle n'est pas bon, heureusement. Heureusement, il se rate dans ton contrôle. Entenoche. Bon, on va réussir à peut-être à trouver la surface de réparation. Belhassen, super retour de Walter Vigas. Le duel est sévère et on va obtenir le renvoi 5m50. Très bien défendu. Très très bien défendu de la part du capitaine de Lusitanos. Non mais en tout cas, faut admettre que Agno voilà, se projette aussi, parce que là on l'a vu, hein. Ils n'ont pas hésité à monter en nombre et de rester juste deux en tout cas derrière. Donc c'est une équipe en tout cas qui a aussi ces ambitions-là de profiter de la moindre opportunité pour peut-être faire mal au Lusitanos. Ouais, puisqu'on c'est un peu à l'opposé, parce que du côté de Lusitanos, justement, on a vu Azrak Mahamat se projeter et tout le bloc offensif le suivre, et il restait seulement du coup les 4 derrière. Et heureusement que Flo Dexter n'avait pas su le mouvement, il aurait pu vouloir proposer quelque chose à gauche, mais là s'il n'est pas là, c'est un 4 contre 2. Et là justement, il est là en possession du ballon, Flo Dexter, il y a l'appel de Chimi, il va plutôt se servir de l'appel de son appel pour libérer Farid Beziwen. Ah là, voilà, c'est dans cette passe-là là, que vient de faire Joseph Belibi. Il a trouvé Vigas, bien sûr, c'est la sécurité, c'est la possession de ballon. Mais là, il y avait un Damien Boudjema à trouver. Entre les lignes, il est présent, il se démarque, il fait le travail. C'est justement sur ces passes-là qu'il faut le trouver à partir du moment où on est dans l'axe. Parce que si on le trouve pas sur ces passes-là, sur ces décalages-là, bah voilà, on va arriver à des actions un petit peu stéréotypées. Ah, Khaled, bien joué, là, il a récupéré. Il faut réussir à le conserver, il a été retenu par. Par la main. Un arbitre un peu trop raide à Belhassen. Et qui a été quand même très bon depuis le début du match. On sent vraiment que très appliqué. Il a trop porté le ballon. Peut-être que Damien l'a aussi bien amené. Oui. Pour faire la tenaille avec Idriss. Donc un bon coup franc à jouer. Allez, c'est parti. On va chercher Farid Beziwen. Pas raté là ce coup franc de Bruno Goncalves. Il a tiré de son pied droit d'ailleurs. Agile les deux pieds. Ancien joueur du Paris FC. Oh, attention parce que là il y a un espace. Alexandre Bouchard qui a hésité et qui n'est pas sorti finalement. Et le petit ballon. Oh, ça va passer à côté. Oh, ça va passer à côté. Le stade s'était tué. Tout le monde avait déjà vu ce ballon rouler au fond du filet d'Alexandre Bouchard. Et finalement, Erwan Madiri qui se mord les doigts. Et grosse alerte sur le but d'Alexandre Bouchard. Oh, quelle occasion en tout cas pour Agno. Il aurait pu aussi refroidir l'ambiance là complètement. Ah bah, il l'enfroidit. Hein. Clairement. Sans même que le ballon aille au fond du filet, on a senti le courant d'air. Même nous, on s'est tué, on était là. Non, c'est pas possible. Pas deux fois. En tout cas, on sent qu'aussi Alex Bouchard n'a pas donné d'indication. Il n'a pas permis de jouer vraiment peut-être sur un côté ou un autre. Parce que c'est vrai que le piqué c'était. Très bon, je pense que Lionel Messi sur une situation comme celle-là, sur un petit piqué comme celui-là, c'est dedans, mais bon. Alexandre Bouchard qui s'est bien rattrapé parce qu'au début de l'action, il hésite à sortir et à aller complètement devant de ce ballon. Je pense qu'il l'aurait eu parce qu'il est quand même vif, Alexandre Bouchard. En tout cas, c'est la confirmation, voilà. Agno vient ici, il va profiter de la moindre opportunité. Et puis on parlait de cette histoire de faux rythme, même si c'est moins le cas ces derniers temps, là c'était sur une action anodine. Et d'un coup, un très bon jeu de haut jeu de Numirumba. Et un petit peu d'inattention dans l'alignement, ça a suffi. Attention à ce ballon, il est bon également. Walter Vigas qui remportait ce duel. Et là, le petit souci. On lui dit à Azrak Mahamat hein, qu'il est seul, on l'a entendu d'ici. Il prend pas le temps de prendre ce ballon et d'orienter. Agno monte en confiance aussi là, on le sent là. Ah bah, c'est on va dire que le classique a une équipe qui domine, on peut dire que Lusitanos dominait quand même malgré le manque d'occasion. Mais il y avait la possession, mais quand on n'arrive pas à concrétiser et même à se créer d'occasion, forcément ça donne confiance en le bloc défensif. Et le bloc défensif, une fois qu'il est en confiance, il peut permettre ce genre de projection qu'on a vu. Allez, Vigas, oula, attention. Heureusement, pas pressé. Faut trouver Flo Dexter, voilà, faut trouver Dexter, c'est bien joué. Le contrôle, oh, c'est parfait. Ah, Beziwen qui est pas parti dans l'espace. Petit manque de compréhension quand même aujourd'hui entre le 11 lusitanien.
des réajustements devoir être faits, en tout cas durant la pause. Là, encore une fois, hein, quand on parle de petit détail, Amidouba qui ne savait pas si Villegas allait prendre ce ballon, qui était en couverture, mais qui a du coup complètement libéré l'espace dans son dos. Heureusement que Jean Dagneau n'est pas arrivé en premier sur le ballon parce qu'il avait tout le loisir. Par contre, non, faut pas la faire celle-là à Amidouba. Je pense qu'on peut la faire à beaucoup de défenseurs de ce championnat, mais je pense que s'il y en a un que tu peux pas essayer d'avoir par un petit piqué, c'est bien lui. Ah, c'était tenté, hein, mais bon, faire un piqué sur un joueur de 2 mètres. Mais disons qu'il vaut mieux le tenter sur Farid Beziwen. Il faut d'excès. Attention quand même à ce coup franc. Juste avant la pause, ouais. Très bon coup franc pour Agno. On a le temps additionnel de la première période. 1 ou 2 minutes, je pense, qui est quand même. 2 arrêts de jeu assez conséquents pour notamment la blessure d'Amadi Traoré et le petit coup reçu par Patrick Etchimi. Allez, le mur en place pour Lousy. À distance. Allez, c'est parti, c'est tenté direct le rebond et c'est capté par Alexandre Bouchard. Premier tir pour Agno, premier tir cadré 45+2. Et dernière opportunité de la première période. 0-0 donc entre le Lusitanos et Agno. Une première période assez étrange où on a eu du rythme et puis plus de rythme du tout. Et finalement ce faux rythme qui crée des petites piques d'Agno. Il y a eu quand même des petites piques aussi du côté de Lusitanos, notamment au début de match avec les deux tirs de Mahamat et de Khaled. Et surtout ce tir de Khaled à la 36e minute de jeu. Il y a eu aussi des grosses piques du côté d'Agno avec Madiri qui aurait peut-être, allez, on va pas dire dû parce que c'est quand même difficile et Bouchard a bien joué le coup et qui aurait largement pu ouvrir la marque. Pendant la période, ouais, je pense que bizarre c'est le mot. Enfin, il y a des réajustements à faire. Non, mais Agno en tout cas prouve qu'ils ont des velléités et des envies aussi de faire un résultat ici au Stade Chiron. Ça, voilà. Il y a eu ces piqûres de rappel, surtout notamment en fin de première période. Donc attention maintenant. Il faudra être, je pense, efficace et prouver pour revenir et sortir avec des points ici. Ce match était compliqué déjà de base au départ, mais en tout cas sur les contenus, Agno a prouvé que ça le sera jusqu'au bout. Ah, tu l'avais dit en avant-match, hein. Prendre confiance, oui. Sous-estimer Agno, surtout pas. Et il faudra bien se mettre ça en tête pour la seconde période. On se retrouve en une petite dizaine de minutes. À tout de suite.
De retour au stade Chiron pour ce match de 5e journée de National 2 entre donc l'US Militanos et Agno, 0-0 entre les deux équipes à la pause. Une première période un peu étrange, on en a parlé. On va revenir très vite vers le terrain avec toi Eric parce que les deux jeux, les équipes vont se remettre en place. Mais ouais, une première période qu'on peut finalement juger un petit peu comme décevante, même s'il y a eu des opportunités d'un côté et de l'autre. Oui, c'était en tout cas une première période vraiment équilibrée. On sent vraiment que les deux équipes ont appris à se connaître, ont vraiment été étudiées, parce qu'on a vraiment vu un bon bloc d'Agno, pareil du côté de Saint-Maur. En tout cas, on a vraiment envie de voir maintenant cette deuxième période, justement pour voir les réajustements, peut-être les discours, en tout cas tout ce qui a été dit. En tout cas, on voit déjà que du côté de Saint-Maur, les Lusitanos reviennent avec vraiment beaucoup de discours, il y a beaucoup d'échanges. Donc peut-être en tout cas une envie de montrer en tout cas que c'était un autre visage, même si bon, il y a quand même eu des occasions du côté de part et d'autre, mais notamment du côté de Saint-Maur, avec une belle occasion, une belle frappe d'Idriss Kadet. Donc voilà, on a envie de voir maintenant cette deuxième période et quelle vérité sera au final ce match. Ouais, parce qu'on le rappelle, hein, il y a eu du changement côté Saint-Maur et il y a déjà le deuxième changement avec l'entrée d'Issani Akate. Qui va donc se placer latéral droit. C'est un Midouba, le numéro 20, qui est sorti, oui, c'est vrai. Sorti, peut-être diminué en tout cas. Parce que... Il était déjà sorti en tout cas, il était déjà sorti la semaine dernière. Donc c'est Azrak qui reglisse dans l'axe aux côtés de Viegas. Issa qui va sur le côté droit au poste de latéral. Donc Bruno qui remonte, donc encore un jeu de chaise musicale qui s'opère, mais bon. Ah, mais c'était sous-utilisé Bruno Calves que de le mettre comme latéral droit. Et du coup, Idriss Kadet qui est venu se glisser aux côtés de Patrick Hetchimi dans un 4-4-2. Et donc le retour d'Issani Akate. Va faire beaucoup de bien Issani Akate. Blessé en début de saison, voilà, il a pris le temps de se refaire durant la préparation, surtout après une pubalgie de l'année dernière, donc qui était revenu vraiment avec une grande dose de motivation et beaucoup d'entrain. Et comme souvent quand c'est comme ça, surtout après un confinement, le corps n'a pas suivi, mais bon, il est là encore présent, Issani Akate, pour vivre sa deuxième saison pleinement au Lusitanos. Il avait été très très intéressant hein, dans sa première saison, dans l'impact qu'il pouvait mettre, dans le porté de ballon, ce qu'il a porté de balle au pied, voilà, je ne trouvais plus ma phrase. Et on en parlait un petit peu hors antenne, et tu disais effectivement, ça manquait un petit peu d'impact au milieu de terrain. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a Damien Boudjema qui est descendu du coup au milieu de terrain, dans le double pivot aux côtés de. Ouais, peut-être un changement tactique aussi avec un 4-4-2 du côté de Saint-Maur. On est passé en 4-4-2 du coup. Avec Damien Boudjema donc aux côtés de Joseph Belibi. Peut-être même presque un 4-2-4, parce que tellement que Farid est. Voire même un 4-1-5 avec Damien Boudjema qui peut se projeter. Voilà, du coup c'est clairement, on joue clairement l'offensive parce qu'on va clairement jouer les transitions là du côté de Saint-Maur. On va peut-être laisser un peu plus le ballon à Agno. Mais le fait de se priver comme ça de pure sentinelle en fait et de mettre deux jeux. Alors parce que Joseph Belibi qui est ce qu'on pourrait appeler communément un. Sur la frappe quand même. Oh, quel but. Oh, quel but. Il est venu de nulle part. Il nous a surpris. Il a surpris tout le monde. Ce ballon qui semblait anodin, qu'on pensait voir récupéré par Saint-Maur. Reprise extérieure du pied. C'est dans la lucarne. Encore une fois, Saint-Maur est surpris par Agno. 1-0. Alors là, Quentin Bure nous a gratifié vraiment d'un chef-d'œuvre. Parce qu'il y a en première attention tout de suite un ballon qui traîne à l'entrée de la surface. Un extérieur, voilà, une frappe un peu topée qui va vraiment se loger sous la barre transversale d'Alexandre Bouchard. C'est vraiment, voilà, c'était presque, bon, j'ai presque inarrêtable, mais en tout cas vraiment une frappe pure et limpide, voilà, une inspiration qui a fait mouche, qui permet donc à Agno de mener 1-0. Ah oui, là on était sur des considérations tactiques. Il y a à peine le temps de se rentrer gentiment dans cette seconde période. On est déjà surpris. Et il faut être honnête, de très très belle manière. Et quel but de Bure, il faut dire. Donc maintenant, Saint-Maur sera obligé de réagir. Forcément, Agno. On parlait justement de ce,
C'est drôle d'ailleurs parce qu'on a parlé justement de cette, ce choix fait de partir sans vraiment le terrain défensif. Et c'est justement dans cette zone entre le milieu et la défense que Saint-Maur a été pris à défaut. Dès que c'est de la tête, avec Boudjama qui va laisser ce ballon. Kaled, Ziwena, c'est ça qu'il fallait faire, mais un peu plus précis, un peu mieux techniquement. Il va falloir vraiment jouer juste là, parce que là, Agno, on sent vraiment en tout cas qu'il... C'est une équipe qui a pris confiance, en tout cas, voilà, il ne faut pas répéter, voilà, on voit les transitions. Ah, c'est bien joué, ça c'est très bien joué, justement, Patrick Etchimi, la petite déviation pour Galvez, allez, c'est là, en contre 1, c'est là qui peut faire très mal. Entrée là sur la réparation, il est passé 1, il a passé 2, le centre en retrait. Allez, Driss. La fin est belle, la frappe, elle est contrée. Elle est contrée par Patrick Etchimi. Oh, quel dommage. Mais elle est là, l'idée, en tout cas, voilà, c'est vraiment jouer sur la percussion, on sent que voilà, Bruno Concalves peut être ce facteur X qui permet aussi de déséquilibrer le bloc d'Agno. Donc voilà, c'est à répéter. En tout cas, voilà, il y a des solutions. Il y aura des opportunités encore à mettre au fond. À touche pour Agno. Avec la remontée du coup à Rosenfelder. Ah, bien joué, bien passé devant là. On dirait que Mahamat. Khaled, contrôle pas très bon, mais passe difficile en même temps. Il va revenir jusqu'à Parpex. Dexé, ouf, quelle intervention de faux Dexé, fallait pas se rater. Vraiment. Alors on le disait, il y a beaucoup de satisfaction sur ce début de saison et s'il faut en mettre une particulièrement en avant, c'est Flo Dexé. Elle repart, dommage. Aïssa. Nakate revient avec Belibi. C'est plus sur Nakate, voilà, il faut changer de côté, il y a Dexé qui demande le ballon, on va plutôt passer par Azrak Mahamat, puis par Viegas avant de trouver ce côté gauche. Et on a déjà bien coulissé du côté de Saint-Maur. Et du côté d'Agno, il monte complètement les espaces. Kaded qui a décroché, c'était intéressant ce qu'il a fait, il fallait décrocher. Il faut bouger ces blocs. Et pour bouger ces lignes qui sont bien en place, voilà, il faut trouver soit de la place. Voilà, faut presque jouer en première attention, c'est ça, voilà. Soit jouer en première attention, jouer rapidement, soit trouver de la place entre les lignes. Soit créer des décalages justement par des décrochages, des permutations. Essayer d'emmener, de faire sortir ces équipes. Ce que les Italiens faisaient très bien d'ailleurs en première période sur les 15-20 premières minutes, il y a eu deux moments où ils ont complètement fait sortir Agno pour jouer après dans le dos et trouver des espaces entre les lignes du milieu et la défense. Et après, on a pas en jeu là. Un thème de jeu, s'il est signalé en position d'en jeu. Presque limite. Et après une vingtaine de minutes de jeu, il n'y a plus justement ces décalages à trouver. Alors est-ce que c'est Agno qui s'est très bien adapté, c'est possible. Mais du coup, il faut trouver des solutions. Vigas de la tête. Alors, encore une fois, il était seul, on lui a pas parlé à Walter Vigas. On a une assez bonne entente de ce qui se passe sur le terrain. Et Walter Vigas qui n'avait aucune idée qu'il était absolument seul et qu'il aurait pu contrôler. Allez, Issa. Ah, attention, Nakate là qui s'est un petit peu manqué. Il a réussi à récupérer le ballon derrière. Il a mis pied sur le ballon, c'est bon. Et là, justement, là, c'est très bien fait. Mais ça, c'est prévisible. Ça, c'est prévisible. Il fallait essayer de trouver plutôt quelqu'un au milieu de terrain avant de changer de côté. Allez. Oh, le joueur aurait peut-être pu se poursuivre là. Il y a ça aussi, je pense que Farid, pour l'instant, on l'a pas trop vu encore. Quasiment pas, en fait, finalement. Farid Béziouen et Damien Boudjama, pareil, on a du mal à trouver les joueurs qui sont percutants. Peut-être comme ça. Peut-être là, voilà. Et pourquoi pas maintenant, Boudjama, justement. Il y a Dex à ses côtés, il va être obligé de repasser par lui. Trouver les points forts, voilà, ce côté gauche. Ça va être si bien combiné ces derniers matchs entre Dex et Béziouen. Voilà, c'est le décalage. Calves, dans des positions de force, comme maintenant, c'est bien fait. Laskia a fait rentrer sur le pied. Il risque à y aller encore une fois. Le contrôle orienté était intéressant. Très belle intervention de Scherrer. Ah, c'est le passe manqué qui ne profite pas, ça c'est dommage. Profiter des erreurs techniques de l'adversaire. Tu parlais de punition de la part d'Agno et c'est un petit peu moins le cas du côté de Lusitanos. C'est pas la première fois qu'il y a des passes approximatives, sauf que c'est moins exploité par la défense des rouges qui s'attend presque pas aux erreurs en fait. Ah, mais il faudra
complètement en tout cas être à l'affût de la moindre erreur et jouer juste, ne pas être dans la demi-mesure, en tout cas vraiment jouer pleinement, par exemple voilà, profiter peut-être d'une erreur de gardien ou d'un défenseur, mais en tout cas aussi faire la différence sur des passes vraiment ajustées et non pas approximatives. Vegas. Bellibi qui lui a fait signe de jouer avec Adrak Mahamat. Je trouve très très bas quand même, hein, Joseph Bellibi. C'est là Boudjema qui a décroché, mais du coup voilà, Boudjema et Bellibi qui sont au même niveau et Bedeksek est obligé de forcer un peu cette passe sur Khaled alors que la vraie espace à trouver, il était dans les 30 mètres. Ouais, peut-être là, voilà. Récupération qui profite, ouais. Justement, peut-être pourquoi pas, puis dire cette erreur. Bon, Calvez, c'est bien fait, le crochet est passé. On n'est plus dans la surface de réparation, mais le centre au second poteau, il va être capté facilement par Ebélé. Mais oui, quand on a l'expérience des BD, forcément, ce genre de ballon, on s'y attend, donc... Porté camerounais, en tout cas, on a vu d'autres. Ah, bien joué, Vigas. Boudjema. Et tout de suite, là, profiter, voilà. Jouer en première attention. Et là, justement, c'est le moment où il aurait fallu trouver Bellibi qui était bien placé entre les lignes. Ah, il Farid aussi. C'est des détails, hein, c'est des petits mauvais choix. Mais pour l'instant, c'est extrêmement préjudiciable. Bon, autour de Unum Calves. Voilà, c'est bien repartir de l'avant. Et là, il a mis un petit peu le bazar dans la tactique d'Agno. Il serait peut-être le moment d'accélérer le jeu, justement. Et il n'y a pas de solution. Là, oui, l'espace. Exactement l'espace où est Madiri. Le numéro 11 de cette équipe d'Agno. Qui est là, monté d'un cran. L'espace où est l'arbitre, en fait. C'est cet endroit-là où il faudrait avoir quelqu'un. Voilà, Boudjema qui est en train de reculer. C'est bien ce qu'il fait. Et là, voilà, la place de Bejemi. Et là, Boudjema qui est. Ah, il est sorti, il a décroché. Si Boudjema est là, il est exactement dans l'espace où est l'arbitre. Et voilà. Il y a une solution. C'est dommage. C'est des. Tout de suite, voilà. Les petits détails comme ça qui, pour l'instant, empêchent complètement de trouver les décalages. Alissa. Et là, un second ballon. Il est là, avec Beziwen. Et Farid. Il a joué l'une de Kitas Khaled. Bellibi, ah, sans repartir derrière. Ouais, il fallait repartir de l'autre côté, vers la gauche, il y avait des solutions en plus. Allez, il faut revenir avec Mahamat. On va passer par Alexandre Boujmara. Mahamat avec Bellibi. Ouais, il faut trouver Boudjema ou Beziwen. Pourquoi pas en passant par Nekate. Et à ce centre, ah, il manquait ce centre. Mais dans l'intention, voilà, c'est un petit peu plus intéressant. Il y avait Chimi qui était loin. Ce centre un petit peu plus enroulé, un peu plus tendu. Centre-tir, allez. Ou centre là, je pense que c'est centre flottant un petit peu manqué. Je pense qu'il a voulu le mettre fort et le tendre. Sauf qu'il est passé un petit peu trop en dessous pour ça. Issa Niakate. Faut pas oublier que c'est son retour aussi, hein, Issa Niakate. Ah, ça marche pas, ça fait trois fois qu'elle ne passe pas celle-là. Peut-être diversifier un petit moment. Position d'hors-jeu. Non, y a rien, c'était hors-jeu. C'était hors-jeu. Ah, Farid Beziwen, il faut se montrer, voilà, c'est exactement ça, ce qu'il faut faire. Allez, c'est passé. Khaled, allez, là il y a un coup à jouer vraiment. Non, plus simple, bien joué, il s'est mis à côté. Là il y a un vrai coup à jouer avec Farid Beziwen. Il a bien parlé à Idriss Khaled. Beziwen, la surface de réparation, le centre de Farid Beziwen au second poteau. La reprise et l'égalisation. Voilà, ce genre d'action, ce genre de décalage. Et c'est je qui disais, on n'arrive pas à les trouver, et bien on le trouve maintenant. Damien Boudjema, ce grand poteau, un partout. Magnifique, voilà, en tout cas, voilà la réaction, l'attitude de Farid Beziwen qui ramène le ballon au centre du terrain, mais c'est magnifique, en tout cas, voilà, cette volonté déjà, ça part de Issa Niakate, en tout cas, qui s'est battu sur ce ballon, qu'on semblait peut-être déjà une action avortée, mais au final, non, il a continué, il a bien combiné, il a lancé comme il fallait Farid, et Farid a tout vu. Il a vu juste, il avait au deuxième poteau l'arrivée de Damien Boudjema qui n'avait plus vraiment qu'à se jeter pour mettre une tête imparable pour Pierre Ebédé. Un partout. Voilà, c'est important de revenir et ils l'ont fait. Ah, c'est ce qu'on disait, il faut trouver quelque chose. Et là, ce quelque chose, il faut punir les erreurs. Et l'erreur, ça a été de ne pas respecter, on va dire, l'arrivée d'Issa Niakate. De ne pas respecter ce second ballon, cette intervention qui était possible. Et là, voilà, le décalage a été créé. Et on s'est bien parlé aussi entre Beziwen et Khaled. Au départ, les deux avaient fait le même appel. Et intelligemment, Beziwen qui a laissé à Khaled, qui a pu les doubler. Oh, c'est bien fait ce qu'il a fait Bruno Goncalves. Ça, c'est dommage. Il a pas réussi à sommer des ballons après. Là, il est passé. Il est un petit peu bousculé. Ah, le coup franc. Et le coup franc. Dans le foot, tout va très vite. Voilà, on voit tout de suite par l'attitude d'Agno. Là, tout de suite, il y a un doute qui s'installe.
cas, vraiment, c'était important de revenir, de ne pas attendre, en tout cas, de laisser Agno venir s'installer. Parce que il faut profiter justement de l'élan créé par ce but. En plus, une action collective, quand même, voilà, rondement menée. C'est aussi important pour eux, pour la confiance. Que même s'il y avait un doute du côté de Samor, du côté des Lusitanos, on a bien vu là, voilà, sur cette action collective qu'il y a encore vraiment la possibilité, peut-être même, d'aller chercher autre chose. Farid Beziouen pour le coup franc. Il y a du monde dans la surface. Il y a aussi du monde en retrait avec Dexé et Boudjema. On va essayer de mettre ce ballon dans la boîte. Premier poteau, c'est repoussé. Le second ballon, il va être pour Damien Boudjema. Le contrôle est bon. Il a failli être trop bon, le contrôle, et être, et profiter au joueur d'Agno. Et, dommage, passe manqué par Flo Dexé. Ouais, comme tu disais, Eric, il faut pas laisser. Il faut profiter du doute instauré à part ce but. Il faut capitaliser dessus. Et continuer à mettre la pression. Ce qui ne suffit de pas grand chose. Juste un petit grain de. Ah, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Et là. Parce que c'est vrai que sa mort était plutôt inoffensif hein, depuis le début de la seconde période et même depuis le début du match. Et là, il a suffi de dire. Il y a une action qui peut aller au bout. Et pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Justement, s'interroger voilà, sur, sur où était un peu Farid, où était un peu Damien contrairement au premier match. Et quelque part, nous ont fait mentir. Hein, grâce à être. Sublime action et ce but de Damien là. Et petit symbole hein. Coup franc. Il est à 35 mètres du but de Saint-Maur. 30 mètres, allez. Et c'est Alexandre Bouchard qui va s'en charger, jouer devant. Alors qu'il reste quand même du temps, il reste une demi-heure hein, dans la seconde période. Mais volonté voilà de mettre toutes les forces possibles vers l'avant. Bien, les seconds ballons ils sont pour Saint-Maur et Flo Dexé. Il joue là où il aurait dû y avoir quelqu'un. Et la vitesse, donc Alves vient jouer derrière le pied d'appui. Qu'est-ce qu'il est fort pour ça. Et il risque à l'aide. Dommage. Ouais, le physique est là, mais il a été un petit peu trop ralenti par son duel. Quand on souffle, on respire, ouais. On arrive à l'heure de jeu, voir un partout c'est quand même mieux que 0-1 donc. Alors qu'on est passé à 2 devant du côté d'Agno. Alors est-ce que c'est juste pour le coup de clarté puisqu'il y a eu l'entrée de Zoumana Kone à la place de Bure. Oh, il est toujours là Quentin Bure qui est, j'ai pas vu qui était sorti. Et il me semble. Il me semble que c'est Nicolas Ntenoche qui a cédé sa place. Et c'est ça, c'est le numéro 10. Et là, on profite de l'action. Il y a Flandre Zixek qui peut centrer. Ah, la belle intervention défensive, justement, de Bure qui n'est donc pas sorti. Le ballon. Ouh, Flandre Zixek qui aurait pu récupérer ce ballon. Mais attention parce qu'il se fait. Il a été pris. Bien joué. Bien joué, Walter Vigas. Solide. Rapide. Ah, obligé d'allonger, Patrick Hachimi qui n'est pas présent à la retombée du ballon et l'intelligence de Bruno Goncalves reculer, prendre ce second ballon, voilà. Quand on n'a pas les premiers ballons, il faut avoir l'intelligence de se mettre en meilleure position pour avoir les deuxièmes. C'est impressionnant quand même hein, la maturité dans son jeu et dans sa technique que nous propose Bruno Goncalves. Allez BD anticipe. On parlait de Flo Dexé hein, comme recrue intéressante et je pense que s'il y avait. Un joueur qui pourrait le challenger pour l'instant pour le titre de meilleur recrue pour l'instant, c'est bien Bruno Goncalves. Avec qui vient de la réserve du Paris FC. Par contre, faudrait pas retomber un peu sur l'euphorisme qu'a. Ouais, voilà, c'est bien ce qu'il a fait là, justement, Goncalves, on parlait de ça. Il s'est placé entre les lignes. Il a vu que. Ça traînait à venir, il a appelé, il a dit voilà, joue sur moi, il y a la place, il y a l'espace, n'aie pas peur de jouer dans ces espaces quand ils existent. En tout cas, ce qui est appréciable, c'est que c'est pas figé. Enfin, au niveau, on sent pas que les joueurs ont tout loisir, on voit là, les courses croisées d'Idriss, de même de Bruno, même de Farid. Ouais, complètement. Complètement. Et ça peut créer justement des décalages, comme la Goncalves qui se retrouve côté gauche.
Il va essayer de percuter, de jouer le 1 contre 1, il va gagner la touche. Ça fait un peu balai si on prend juste les mouvements des joueurs. Oh, donc, c'est pas sorti, allez, il est passé long de la ligne de touche. Ouais. Il a quand même le bras, monsieur l'arbitre. On a un petit peu joué. Je pense que c'est ce qui a incité l'arbitre. Attention sur récupération, peut-être. Farid Beziouen, non. Bien pris. Attention à ne pas non plus se faire avoir en contre. Avec de l'autre côté, la montée de Rosenfelder. C'est un 2 contre 2 qui joue de leur côté. Et superbe intervention. Superbe intervention de Vrak Mahamat qui a vu tout venir, qui a bien coupé. Il est parti un tout petit peu en retard, ce qui fait que justement il n'a pas récupéré ce ballon et il concède quand même le corner. Avec le dernier deuxième changement pour Agno. La sortie de Dakari Dembélé. On n'a pas beaucoup vu en seconde période. Qui va être remplacé par Théo Klein. Et il y a un petit souci de poteau de corner, il faut remettre le drapeau sur le poteau. Allez. Voilà. Et donc Dembélé qui est sorti derrière le but. Et Klein qui fait son entrée. Il va tout de suite se proposer entrée de surface de réparation. Non, il va rester dans les 30 mètres. Là, vous le voyez. Il va entrer sur votre écran. C'est ce qu'on a en premier poteau, c'est dévié, ça va arriver au second. Calves qui s'est blessé, c'est même Joseph Belibi. Qui va mettre ce ballon devant. Ah, il a peut-être mieux valu mettre un petit peu plus loin. Oh, pourquoi pas, c'est la récupération de Farid Beziouen. Allez, accéléré. Même si Agno est quand même supérieur au numérique, c'est intelligent. Et Farid Beziouen, il arrive à la donner. Mais mieux que ça, mieux que ça. Et attention à Klein, justement, qui peut remonter ce ballon. Tout le monde était monté côté Saint-Maur. Il y a la place à gauche. Il va pas être servi si finalement. Ah, c'est fort, c'est fort. Et de toute façon, position d'hors-jeu. Heureusement, heureusement qu'il a tardé à donner son ballon à Zoumana Koné, pardon. Bon, on respire encore, voilà. On prend le poun. On a encore le temps. Oujema. Avec Mahamat. Dès que ça a bien joué. Ouf, Beziouen, là, si la déviation est passée. Oh, attention. Ça peut être des duels dangereux. Cela vient mieux au sol. Joseph Belibi, il faut la donner. Voilà, dès que c'est. Il y a du monde dans la chance de réparation. Il y a Chimi qui est parti, le centre, ça va pas arriver jusqu'à Khaled. Beziouen qui va jouer ce ballon. Non, il a voulu jouer le second ballon, il a un petit peu mal anticipé, mais ça va revenir quand même. Avec Khaled, bien joué à la talonnette pour Beziouen. Si ça passait, c'est intéressant. C'est finalement dégagé. Camara qui a réussi à se jouer de Mahamat. Mais finalement, bien, retour de Niakate. Très intéressant à ce que propose Lulitanos depuis quelques minutes, qu'il faut réussir à concrétiser. Se créer des occasions, on continue à les faire douter. Parce que sinon on va retomber sur les mêmes schémas qu'en première période. Surtout quand on sent qu'on met du rythme, Agno a vraiment du mal à suivre et il faut en profiter. Ça, il faut les faire douter. Il faut les faire douter. Parce que sinon, on va retomber sur le même schéma que la première période. Ils vont progressivement voir qu'il n'y a pas vraiment d'offensive, que l'accélération n'est pas faite. Ils vont reprendre confiance. Allez, ça combine pas mal. Heureusement que celle-ci a été faite parce que c'était intéressant. Allez, Bruno. Ah voilà, la Boudjema, il doit monter et proposer quelque chose. Allez, Bruno. Gérardi, donc Calves qui est capable de faire la différence tout seul, il a été poussé. Voilà, là, ouais, là, il a été poussé dans le dos par contre. Ah, apparemment le public n'est pas d'accord avec le monsieur l'arbitre. C'est rare, mais là, j'avoue que là, il a été poussé quand même. Attention, le centre de Rosenfelder et la bonne sortie d'Alexandre Bouchard, superbe. Ça relance tout de suite, voilà. L'arbitre stop, apparemment Walter. Ah, ils se sont percutés, Alexandre Bouchard et Walter Viegas. On va peut-être éviter, parce que je ne sais pas, voir une défense de 4, voir 3 changements sur une défense de 4 sur un match, ça doit être rare quand même. On a déjà perdu tout d'abord Amadi Traoré, ensuite Amidouba. Ouais. Sur le banc, les solutions défensives elles sont limitées maintenant. Il faudrait encore bouger les lignes et voir peut-être. Faire redescendre Damien Boudjema en défense centrale. Non, ou qu'il est différent tous les trois. Sania Kate a déjà joué à Aubervilliers, notamment dans l'axe. Faire la doublette avec Mahamat. Peut-être voir après, je sais pas, ou Belibi ou même peut-être Wilson, Morera joue défenseur droit.
Après, bon, on est dans du bricolage, mais oui. Bon, à ce niveau-là, tout est possible. Ouais, et puis sinon, mettre Farid Beziwen d'un côté, Damien Boudjamad de l'autre, pour équilibrer. Non, mais c'est un guerrier, Walter Viegas. Il va se relever. Mais en tout cas, belle intervention quand même d'Alex Bouchard. Hein, qui vraiment... Fallait la faire, fallait la sortir. Fallait y aller. Montrer en tout cas à l'attaquant adverse qu'on est là. On va profiter de voir quand même ce qui se passe sur les autres terrains. On le rappelle, Metz et Belfort qui ont fait match nul de but partout. 2-1 pour le Castellet Calcio contre le 51, c'est terminé. 0-0 entre Schiltigheim et Beauvais, terminé également. Et les matchs en cours, Épinal qui mène 2-0 désormais contre Bobigny. 1-0 pour Auxerre contre Sedan. Lens qui mène 2-0 contre l'Entente Saint-Loup-Saint-Gratien. Et 0-0 entre Paris 13 Atletico et la réserve du stade de Reims. Classement qui ne bougerait donc pas en cas de... Si les scores en restaient là. Puisque Saint-Maur a réussi pour l'instant 3 points d'avance sur tous ses poursuivants. Une belle brochette qui est à 7 points. Et donc Agno d'ailleurs qui conclut cette brochette. Ah bien joué la récupération là. Ah, il n'a pas réussi à sonner le ballon, mais Khaled qui va pouvoir récupérer. Boudjema, c'est bien joué, il faut orienter vite fait. Calves. Ah, il a fait ça à un joueur, il y a deux joueurs encore face à lui. Calves, ah, il a voulu peut-être un petit peu trop en faire, mais il va gagner le corner. Très intéressant ce que vient de faire Bruno Calves. Parce que même si on est enfermé, même si c'est compliqué, au moins toujours aller gagner quelque chose. Et là, il a gagné le coup de pied de coin. C'est Flo Dexay qui va s'en charger. C'est parti sur ce compoto, il y a la tête, c'est risqué à l'aide. Le duel finalement a été remporté par le joueur d'Agno. Il me semble. Ouais, c'est bien ça. Ah non. C'est un renvoi au 5m50. Il me semble que le ballon était sorti en touche. Du coup, Khaled a bien été le dernier à toucher ce ballon. Ah, changement dans l'air. Dernier pour Saint-Maur. Il me semble que c'est Babassila. Donc il... Oui, sûrement, ouais. Qui revient gentiment vers le banc. Qui effectue aussi son retour dans le groupe. Viegas. Avec Dexay. Ah, bien joué. Bien joué. C'est ça qu'il faut faire, c'est trouver Khaled. C'est comme ça que le but a été marqué, le centre de Khaled. C'est contré. Ouais, dommage. Et empêche ce retour. Voilà, très bien joué. Farid Beziwen au moins gêné. Et Flo Dexay qui ferme la porte après. Beau travail d'équipe là des deux. Avec l'entrée de Babassila, on va très certainement encore accentuer le jeu aérien sur les pivots. Certainement une sortie de Patrick Hetchimi. À moins que Iris Khaled, qui a beaucoup donné, qui a changé deux fois de poste. Mettre du poids peut-être. Ouais, mais j'essaie de définir lequel serait plus complémentaire à la position d'hors-jeu. Je dirais quand même que ça serait peut-être plus intéressant de faire sortir Idriss Khaled. Parce qu'au niveau du profil, Babassila qui peut conserver le ballon dos au but et laisser à Patrick Hetchimi l'opportunité enfin de partir en profondeur. Il n'a pas été servi une seule fois dans la profondeur ce soir. Un peu le même genre de match contre le Gazélec d'Ajaccio pour lui, un peu frustrant. C'est ça, peut-être voilà, le mettre, le retirer ce rôle ingrat en tout cas de vraiment de point de fixation. Attention. Pas de faute. Carton. Un carton jaune pour Essen Diakaté, logique. Il a coupé l'action. Premier carton jaune de la partie. Ouais, tout à fait. Sûr qu'après retomber sur un synthétique, oui. Ça peut faire mal. Alors en plus, il avait, c'est vraiment bien engagé. Alors, il y a peu, heureusement, la jambe s'est pas bloquée. Mais ouais, l'intervention était quand même solide. Et il a déjà l'épaule strappée. Et il semble qu'il touche l'autre épaule. Reda Bellassène.
que Babasila attendra le prochain arrêt de jeu pour entrer. Sur le coup franc. Ah, peut-être plus être pas mal quand même de le mettre sur ce coup franc. Enfin bon, après. Allez, c'est parti, c'est mal tiré. Peut-être la frappe. On ira, est-ce qu'il va tenter la chance? Oui, c'est de la frappe, pourquoi pas. Ça se tente, le ballon qui revient comme ça, de la force, sur un malentendu. Bon bah. Un coup de vent, un contre. On avait déjà vu Clarence Seedorf mettre un but de cette distance là, donc pourquoi pas. Ce genre de frappe, il faut les mettre plutôt tenter de les mettre le. À mi-hauteur, parce que ça a une chance d'être dévié par un joueur. Et donc, pour l'instant, sorti donc. Idriss Kaled. Qui laisse sa place au revenant. Baba Sila. Donc voilà, on va. Là, le message il est clair. On met un point de fixation, le reste vous courez. Applaudi par Stacheron, Baba Sila. Directement, on va le chercher. Il a failli remporter ce duel sans même sauter. Attention quand même à ce ballon dans la profondeur. Aïssa. Avec Klein qui est cherché. Attention parce qu'on s'est un peu manqué du côté de Niakate. Super sortie de Bouchard. Il s'est raté, Alexandre Bouchard. Et ce ballon. Il y a hors-jeu là. Qui va atterrir au fond du filet. Et non, pas de position d'hors-jeu. Le drapeau ne s'est pas levé. Ça sert à rien. Il n'y aura pas d'assistance à la vidéo. Le drapeau ne s'est pas levé. Walter Viegas va prendre un jaune. Ouais. C'est compréhensible. Mais non, non, à partir du moment où le drapeau ne s'est pas levé, il va pas le lever parce qu'on vient lui crier dessus. Alors, d'ici, honnêtement, d'ici on peut absolument pas dire si jamais il y a position de hors-jeu ou pas. Donc c'est le 15. Vu le déplacement, c'est Zoumana Kone qui a poussé ce ballon au fond du filet. Sur très très bon travail de Théo Klein. Qui a effacé Alexandre Bouchard qui pourtant il plonge bien, il fait la sortie qu'il faut, il met un minimum d'espace entre il se baisse très vite, mais le ballon qui lui passe quand même entre les jambes, et après la frappe de Théo Klein. Il y avait éventuellement le retour de Walter Viegas et Camara Zoumana Kone, pardon, confondu avec Zoumana Camara forcément. Zoumana Kone qui s'est assuré que ce ballon irait bien au fond du filet. D'ailleurs, quand on voit le ralenti, on voit bien qu'il arrive quand même de derrière, donc il n'y a pas hors-jeu. Même s'ils sentent que peut-être le gardien, enfin donc Alexandre est devant, mais même comme ça. Allez. Il y a encore du temps. Dans cette seconde période. Ne pas se précipiter, ne pas perdre ses nerfs surtout, ça serait vraiment la pire chose. Et là, la défense pour la défense du côté d'Agno avec les 11 joueurs dans la surface de réparation. Argus accompli le corner, c'est repoussé. Et là, bam. Allez, Bilibi. Pas de question, Bilibi. Écarté sur Béziouen. Provoqué. Le centre de Farid Béziouen. Il y a du monde dans la surface de réparation. Malheureusement, il arrive dans la zone Idouane. Pour Ebene. C'est sûr que là, faudra quand même privilégier peut-être les ballons dans la surface avec. Quand même de la taille avec Baba Sila. Il y a de la taille, il y a de l'appel, il y a de la puissance. Il y en a aussi du côté de la défense d'Aguno quand même. Avec aussi de l'expérience, on a parlé de Jonathan Parpex, bien sûr. Boudjema, Edmond Calves, allez. Un contre deux. On sait qu'il est capable de faire la différence, il a été touché, ouais. Ah, c'est quand même beaucoup de réussite. Hein. Bon, Aguno. On connaît quand même, c'était une équipe. C'est de l'efficacité, du réalisme complet. Entre la frappe, l'inspiration de Bure sur le premier but, et là, voilà, il a suffi d'une erreur de la défense saint-maurienne pour voir Agno en profiter. Alors que pour l'instant, depuis l'ouverture du score, Agno n'avait pas forcément eu l'occasion. C'est pour ça qu'il est rentré, superbe intervention. Pleine d'autorité là. De Scherer, et là on trouve la solution entre les lignes. Il y a la solution à gauche, il faut boucher cette ligne de passe, arrêter au clan, ne pas le laisser. Et là cette fois-ci il est signalé en position d'hors-jeu. Ah, il faut y croire, il y a encore du temps de jeu là. Ah oui, il y a le temps, il reste plus de 10 minutes, 15 temps additionnel compris. Allez, Dexé avec le capitaine Walter Viegas.
Allez, Boudjema, portez ce ballon. Il faut lui donner des solutions. Voilà, ça s'est bien failli là. Il faudrait une solution dans cet espace-là. Il faudrait qu'il décroche la Patrick Etimi. Tout de suite là, sur jouer sur Flo. On a réussi à finalement trouver ce point de fixation. Ah, en retrait, super contrôle de Farid Bezioen. Un crochet, il n'y aura pas deux. Et, ouais, faute. Et voilà, carton. La faute. Et le pied, là c'est le. C'est... Alors c'est pas la brutalité qu'il a sanctionné hein, l'arbitre de la rencontre, c'est juste le pied sur le crampon sur le pied, là, c'est la règle hein, tout bêtement. Hein. La semelle elle est pas volontaire, c'est pas un excès d'engagement. C'est dans l'élan. Ballon, mais à partir du moment où on met les crampons sur le coup de pied, c'est le carton jaune. Alors bien sûr c'est pas volontaire et pas méchant, mais c'est la règle qui est comme ça, et là ça laisse pas vraiment de place à l'interprétation. Hein, c'est... Pour l'anecdote, c'est si la semelle est sous la malléole, c'est jaune. Sur la pointe du pied, on va dire que c'est à l'appréciation de l'arbitre. Et par contre, si c'est au-dessus de la cheville, c'est rouge. Peu importe où, quand, comment, pourquoi. Si l'impact est au-dessus de la malléole, carton rouge directement. Là, c'était juste sur le pied. Farid Bezioen, pour ça qu'il est averti. Cher qui reste au sol. Ça y est, c'est relevé. Ah, même l'ambiance, hein. Les spectateurs sont un peu groggy quand même aussi, ouais, voilà, du ben scénario. C'est exactement ce qu'on disait, hein. C'est des schémas qui se répètent encore une fois. Hein. Au moment où on pense que Saint-Maur commence à aller mieux, à comprendre et à pousser, il y a une pointe qui vient refroidir tout. Et tout de suite. Quoi, voilà, c'est la vérité aussi, on sent de championnat où la moindre erreur peut se payer cash, en tout cas que le niveau des équipes est très homogène. Boudjema. Avec Mahamat. Ah ouais. Faut y aller là. Il y avait un truc à tenter, mais il a bien construit le ballon et surtout intelligemment arrêté de l'autre côté. Voilà. Et là, il faudrait que Niakate se décroche. Voilà, c'est ce qu'il fait. On va essayer de trouver quelqu'un dans l'axe, il n'y a personne dans l'axe. Voilà, si. Finalement, il a été long, mais il a fini par décrocher. Faudrait que Chimi. Faut se proposer. On va chercher Goncalves à gauche. C'est compliqué de remporter ce Farid. Voilà. Et la Farid Bezioen, le contrôle est bon, mais le ballon qui vient derrière lui et qui est récupéré. Il est là encore. Retour de Farid Bezioen à cette fois-ci. Et Baba. Avec Baba Sila, en point de fixation, et il a un client. Il a un client, Baba Sila, quand même. Avec Reda Belhassen. Niveau physique là. Attention, oui, là, faut. Ouais, on sent, il y a un gros coup sur la tête qui a été pris, mais il reste du temps dans ce match. Il faut pas le laisser avancer tout seul. Avec là, le contrôle orienté est bon, mais Niakate, on va pas lui faire deux fois. Bien joué, ça, allez. Attention, là, quand même, pas faire le ballon. Faut pas chercher, voilà. Et corner. Corner. Est-ce qu'il a signé un corner ou une touche, vu que l'arbitre de touche demande n'a pas levé son drapeau, c'est un corner. Parti en mode défensif avec seul Baba Sila qui est resté devant. Ouais. Et Goncalves qui va quand même proposer une solution intermédiaire pour un second ballon. Et quand on a qu'à joué à deux. Je demande dans la boîte en sortant sur ton poteau. Ça va passer juste à côté avec Camara de toute façon. Attention à ce genre d'action parce que là, un but ça passe. Deux buts d'écart, ça va être très compliqué à gérer. Allez, mettre du rythme. Presque pas pour toi des excuses, mais quand même avoir aussi une défense voilà, remaniée en cours de match, ça aide pas non plus pour les automatismes. Par contre, au niveau de l'offensive, il faut trouver des solutions. Voilà, pourquoi pas Vigas qui est sorti complètement de la défense. Le problème, c'est qu'il a pas réussi à récupérer. Là, maintenant, il faut assumer derrière et compenser. Voilà, c'est ce que fait très bien Joseph Belibi. Ouais. Qui va courir et laisser Flo Dexé aller sur l'homme. Théo. Non, c'est bien joué, Théo. Ça combine bien, oui. Une fois la position d'enjeu. Très intéressant Théo Klein, depuis qu'il est rentré il fait beaucoup de mal à la défense lusitanienne.
Le numéro 13, oui, c'est ça, Théo Klein, très intéressant. Yakate. Kelvé avait fait l'appel. Et là, voilà, personne ne décroche. Il y a un espace énorme avec seulement 4 joueurs d'Aguenau. C'est compliqué de trouver des solutions dans ce cas-là. Il faut obligé de jouer, jouer sur les côtés. C'est ce qui avait été fait. Flodex, le banc dans la boîte. Babassila, le contrôle. N'arrive pas à reprendre le ballon. Ah, belle anticipation de Scherrer. Attention à ne pas mettre le pied sur le mollet. Ça aurait été dangereux. Et Klein, encore une fois, il a provoqué. Voilà, il fait mal. Et Flo Dexé, qui est venu complètement de l'autre côté pour aller chasser. Mais non. Allez, Flo. Donc, Galvez, voilà, il faut récupérer. Dexé. Ah, je sais le ballon. Ouf, oui. Il attend. Belibi. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire avec Damien Boudjema. L'excès d'engagement aurait pu être sifflé, mais il n'y a pas faute. Eh oui, Flo Dexé ne peut pas être au milieu de terrain et sur son côté gauche. Donc, attention à l'ouverture. Ouf, super bien. Je suis pas vraiment coupé par Azraq Mahamat, mais oui, effectivement, Flo Dexé qui fait le pompier au milieu de terrain, oui. Mais sauf que s'il est plus là, bah, personne ne le couvre. Ça devient complètement décousu, Lutano, sur ces dernières minutes. Mm. Alors oui, il faut penser à l'offensive, mais il faut penser aussi à pas prendre de troisième but. C'est ça. Allez, allez chercher avec les tripes. Au moins, rester invaincu cette saison. Continuer à répéter les efforts, mais ça peut être compliqué. On arrive à la fin de match, forcément, les organismes sont fatigués. C'est là on parlait tout à l'heure de mental, hein, du surplus d'âme qu'il faut amener. C'est là qu'il doit jouer, c'est là qu'il faut trouver, oui, la force de tout donner, mais la force de tout donner intelligemment, de ne pas se donner à tort et à travers. Il faut continuer à faire des courses, à provoquer, à proposer des choses, à jouer des duels. Comme dit l'adage, hein, faut pas confondre vitesse et précipitation parce que c'est le meilleur moyen de rendre les ballons à l'adversaire. Pas forcément Agno en jouant la montre, c'est de bonne guerre. Ils sont devant, ils mettent 2-1. Ils sont en passe encore de réaliser un gros coup après celui réussi lors de la saison précédente. Attends, on est passé le centre, second poteau, il y a Klein, ouais, pas prendre de risque, il y a Kate. Mettre ce ballon en corner. Il y a eu un duel costaud sur ce ballon au second poteau. Ntenoch qui reste au sol. Ça, on paraît de grains de sable, voilà. Il ne faut pas beaucoup, en tout cas, on voit. Allez, le corner avec Quentin Bure. Parti, penalty, c'est capté. Par exemple, Bouchard, là il y a un coup à jouer. Il y a Bruno Goncalves, il a peut-être fallu la lancer à la main celle-là. En tout cas, Goncalves, là, on sait qu'il aime bien prendre l'avantage sur les contrôles sur le synthétique. Il a bien improvisé le synthétique. Ah, voilà. Typiquement, ce genre de ballon qui ne sert à rien. Et l'espace. Heureusement, on s'est précipité aussi du côté Agno. Il a un coup à jouer. Voilà, il faut poser un petit cran plus haut. Mettre ce ballon dans la boîte. La tête des Chimis arrive au second poteau pour combattre Béziouen. Oh non, Farid Béziouen, il fallait se retourner. Le ballon qui n'est pas sorti avec Bamassila. C'est finalement poussé par Emene. C'est pas possible. La perspective, j'ai cru que le ballon était passé au-dessus du but. Non. Et finalement, il est resté juste devant. Personne n'a réussi à se précipiter pour le pousser au fond du filet. Là aussi, le supplément d'âme, il doit intervenir, même si le ballon intervient encore une fois. Boudjema. Le débordement de Dexé, c'est un petit peu lu. Dexé qui peut quand même centrer. Il y a du moins déjà phase de réparation. Il y avait Chimi, superbe retour. Fallait pas se rater là, de Parpex. Et le corner. Allez, faut mettre de l'envie là sur ce corner là. Faut y aller là. Un bon corner, bien frappé. Et les tailles là. Jouant du temps. C'est bien joué. Il y avait la tête de Chimi, il y a du moins la phase de réparation. Et le ballon qui va arriver finalement sur Damien Boudjema. Allez, continue à mettre de la pression. Il y a encore deux. Non. Bon, vraiment comme ça. Ah bah celui-là, il va pas revenir de sitôt. C'est dommage parce que du coup, le temps qu'il voulait perdre, et bah, il le perd pas parce que nouveau ballon. Allez, la touche. Touche approximative. Allez, ça joue. Patrick Etchimi. Un petit peu seul contre 3 là. Il va être obligé de se battre pour récupérer ce ballon. Le duel. Et ce ballon qui n'est pas sorti. Il faut récupérer là. Il faut le récupérer ce ballon. Il faut pas les laisser jouer comme ça. Bah justement. Et Camara qui va dégager. Allez, être sur ce ballon, Boudjema, voilà, Dexé. Faut changer de côté, là. Faut sortir de là.
quelques minutes. L'arbitre demande un dernier changement. Du côté d'Agno. C'est le buteur qui sort. Ouais, sorti de Quentin Buhr cette fois-ci. Remplacé par Inoussa Ouedraogo. Le Burkinabé. C'est la dernière minute. Ah, c'est vraiment Quentin Buhr qui a tout déclenché avec son inspiration. C'était vraiment digne d'un top but, en tout cas, de voir cette frappe un peu topée qui se loge vraiment sous la barre transversale. Allez, il reste du temps. Il reste du temps. Walter Vigas, mettre ce ballon, ça, c'est un ballon qui va. Ouais. Ouf. Non, peut-être pas penalty là-dessus. Il y a eu des situations légèrement litigieuses. Ok. Et encore que. Il n'y a pas eu de scandale. Allez, Joseph, faut y aller. Sauf que faut y aller, il a pas vu Bruno Goncalves. Ouf. Ça jouait pas, ça compte pas. Bouchard. Allez, c'est Gazer qui a réussi à le faire, pourquoi pas nous. Vacilla, faut le lever ce ballon. Attention parce que Bouchard est plus dans son but. Dès que c'est fait remporter ce duel, voilà, c'est fait. Vigas. Faut la mettre à Alexandre Bouchard, il a. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire là pour le coup Walter Vigas, alors je sais qu'il a voulu gagner quelques secondes, mais là c'est assez évident que si jamais il allait être contré. Excès, qui peut intervenir. Il faut intervenir, là, faut mettre le pied, faut pas laisser passer, voilà. Non, mais attention là. Parce que d'accord, je m'excuse, j'ai dit ça tout à l'heure, mais c'est pas valable pour chaque situation. Allez, faut continuer, il y aura une occasion, il y aura une dernière. On va rentrer dans le temps additionnel dans quelques instants. Alors qu'on a pris un petit peu de retard au niveau du chrono, donc pas à la 89e minute, on est rentré dans le temps additionnel. Qui doit être quand même de 3-4 minutes, il y a eu des changements. Mamat va chercher Babassila. Ça va arriver sur Patrick Etchimi dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va réussir à passer? Non. Et il va commettre la faute. Ah, c'est dommage. On attaque les dernières minutes de la rencontre. On est dans le traditionnel de la rencontre. Hein. Vigas, le duel remporté par Camara. Il est avancé. Peut-être encore là. Je suis pas sûr s'il a vu Alexandre Bouchard avancer ou s'il s'est dit elle a au moins, elle ira loin. Et effectivement, elle est loin. Est-ce qu'on va en prendre une nouvelle ou est-ce que. Non, on va garder celle-ci. Alexandre Bouchard qui va accélérer. Attention, on ne va pas tomber sur la piste. On sait que les crampons sur la piste de l'athlétisme, c'est le meilleur moyen de se blesser. Et est-ce qu'on va faire regretter aux spectateurs qui partent déjà? Ah oui, on part jamais en coup de sifflet final, jamais de la vie. Ah bah c'est bien connu qu'à Saint-Maur, surtout à Saint-Maur. De toute façon, moi quoi qu'il arrive, je reste de là. Ah bah je crois que là, on peut pas dire que Baba n'est pas dans l'œil de l'arbitre. Il se sert de ses coudes. Ah mais bon, le fils d'en avoir, le jeu de corps existe quand même dans le foot. C'est j'avoue que là, j'ai souvent tendance à défendre les arbitres, mais là je sais pas trop ce qu'il a sifflé. Monsieur Bousquet. On a droit à essayer de se battre pour se placer, pour. Allez, il y aura une dernière opportunité. Allez, boum. A noter le pressing très haut d'Agno, qui est vraiment monté d'un cran pour gêner la relance. Le duel est remporté par le joueur d'Agno. Il n'y a pas faute là ? Il y a faute, oui, complètement. Il est bousculé. Allez, coup d'épaule dans le dos. Pas sanctionné, allez, ça joue. Digas. Faut trouver d'excès. Ouais, très bien, très bien. Ce que fait le pressing d'Agno, il va forcer à faire ça, mais Vassila qui peut dévier. Non. Et ça va arriver jusqu'à BD. Là, je pense que là. Ça va être complexe. Ouais, jusqu'au bout, on entend dans la tribune, c'est ça. Il y aura peut-être une dernière opportunité. D'excès. À la tête. Théo Klein. Au duel avec Nekate. C'est fini. Et c'est terminé. Il fallait que cette série ait une fin. Malheureusement, elle est un petit peu plus précoce que ce qu'on aurait voulu. Mais c'est sur un match. S'il fallait perdre, autant que ça soit sur un match comme ça où on a senti quand même des imperfections, des détails à régler, vaut mieux perdre sur un match où on sait que tout n'a pas été parfait que sur un match aussi frustrant. Il y a quand même des choses à régler. Il y a du travail, forcément, c'est le début de la saison.
Oui, c'est sûr. Bon, ça va être très bien que forcément, rester invaincu une saison, c'est quasiment jamais impossible. Donc c'est un peu frustrant forcément, surtout que bon, on a quand même aussi. Agno a quand même offert une belle opposition, une belle résistance, et sans ce coup d'éclat de Bure en début de deuxième période et forcément sans cette erreur, peut-être que Agno n'aurait pas marqué aussi facilement. En tout cas, moi je retiens, j'ai envie de retenir cette réaction-là quand même qu'a eu Saint-Maur de malgré ce chef-d'œuvre de Bure, ils ont su batailler pour revenir, égaliser et montrer quand même les ingrédients, le caractère qui ont permis donc je pense était plus logique de voir un match nul qu'une défaite. Bon, après c'est le foot, c'est comme ça, voilà, le vainqueur c'est Agno ce soir. Mais maintenant faut pas lâcher, les ingrédients quand même sont encore là, il y a encore de belles choses. Après il y a aussi, bon, c'est forcément ces sorties d'Amidou Ba, même d'Amadi Traoré n'ont pas arrangé au niveau de l'équilibre défensif. Mais voilà, en tout cas voilà, faut s'accrocher maintenant, on sait qu'on joue, qu'est-ce qu'on joue et que ce championnat va être compliqué, très compliqué à tous les niveaux, du début jusqu'à la fin, donc... Voilà, c'est-à-dire une grosse piqûre de rappel qui montre qu'en tout cas, voilà, faut rester attentif à ce que l'on fait et pas s'enflammer. Ouais, de temps en temps, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal, voilà. Il y a encore du travail, certes le début de la saison est très bon, elle est longue, c'est un championnat qui se joue sur la longueur, en plus le championnat national 2, un peu comme le niveau du dessus, c'est des championnats qui se jouent plutôt sur la fin, il faut bien se placer pour le sprint final. Pour l'instant, Lusanos reste très bien placé, très bon début de saison avec 10 points, donc Agno qui revient à égalité, on jettera un œil bien sûr sur les classements en fonction des autres résultats. En tout cas, match quand même intéressant, il y aurait des enseignements à tirer, et c'est toujours ça de prix du côté de Saint-Maur. Alors les prochains rendez-vous pour Lusitanos, alors bien sûr les prochains rendez-vous de l'équipe première, mais aussi rendez-vous pour l'équipe B qui fait sa rentrée demain, ça sera au stade Fernand Sastre de Saint-Maur contre la réserve de Sucy. On compte bien sûr sur vous pour être présent et soutenir la réserve de l'US Lusitanos et pour l'équipe Fagnon. Déplacement donc à cette prochaine. On espère, en tout cas c'est l'objectif, c'est clairement la montée. Avec Tony Sébastien aux commandes, donc déjà une belle opposition face à Sucy. Donc demain c'est rendez-vous 15h, donc si pour les gens qui veulent accompagner aussi, c'est l'équipe B avec beaucoup de jeunes talents et qui méritent en tout cas d'avoir beaucoup de soutien. En tout cas pour l'équipe Fagnon, du coup déplacement après. Et on se retrouvera dans deux semaines au Stade Chiron contre l'Entente Saint-Louis-Saint-Gratien, 26 septembre, vous notez la date. On sera présent bien sûr pour retransmettre ce match. Merci Eric d'avoir été avec moi ce soir. Merci Antoine. Malgré malheureusement le résultat un peu défavorable, mais on l'a dit, il y a quand même du positif à retenir, ça arrive. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de victoires et de positifs sur Lusitanos TV cette saison. Comme toujours, vous retrouverez le résumé de la journée de demain. Merci à tous de nous avoir suivis, on vous souhaite une excellente soirée sur Lusitanos TV. À bientôt. Bonne soirée.